Regardez ici, petit-fils de Verglas, mère peinte célèbre, gagnant de trois courses. Premier produit est gagnant. À 20 000 euros. À 20 000 euros, c'est toujours Laura, votre chère. Vous êtes battue, Solène. À 20 000 euros, ne vous laissez pas abattre à 20 000. À 20 000 euros, c'est Laura. Et c'est dernière fois. À 20 000 euros, fini en face. À 20 000 euros, merci. À 20 000 euros, l'enchère est là. À 20 000 euros, on a le juge. 20 000 euros, Laura. Le numéro 438 est présenté par le Hara du Tenet. Une femelle grise née le 19 mars par Sima de Triomphe et Mantissa. Sima, Sima de Triomphe. Le fils de Galiléo, mère Oratorio, gagnante de l'Isted à 2 ans. La mère gagnante de l'Isted à 2 ans, premier produit, beaucoup de précocité. Amadeus Wolf, la famille, beaucoup de vitesse dans la famille. À combien de butons ? 3 000 euros. 3 000 euros, que l'on cherche à 3 000 euros. 3 000 euros, 3 000 euros, 3 000 euros, 3 000 euros, 3 000 euros. 3 000 euros, 3 000 euros, la mère gagnante de l'Isted à 2 ans. Bien sûr, Guillaume, 3 000 euros. À 3 000 euros, que l'on cherche à 3 000 euros. 3 000 euros, 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 3 000 euros. À 3 000 euros, à 3 000 euros. 5 000 euros en face, 5 000 euros en face, c'est Jérôme. À 5 000 euros en face, c'est contre vous, Guillaume. 6 000 euros, à 6 000 euros, l'enchère est là. À 6 000 euros, c'est contre vous en face, 6 000. À 6 000 euros, 8 000. 8 000 euros, 8 000. 8 000 euros, 7 000 si vous voulez. À 7 000 euros, à 7 000 euros, Guillaume, votre enchère, 8 000. 8 000 euros en face par Solène. À 8 000 euros en face par Solène, maintenant l'enchère. À 8 000 euros, la mère gagnante de l'Isted à 2 ans. À 8 000 euros, à 8 000 euros, c'est Solène qui tient l'enchère à 8 000. À 8 000 euros, c'est contre vous. 9 000, 9 000 euros, 9 000 euros, c'est toujours pas vous et contre vous à 9 000, à 9 000 euros, à 9 000 euros, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000 euros, c'est Solène qui tient l'enchère à 10 000, à 10 000 euros, 11 000, 11 000 euros, toujours Solène, votre enchère, à 11 000 euros, à 11 000 euros, quel est le second à 11 000, 12 000 euros, à 12 000 euros, c'est pas vous et contre vous à 12 000, à 12 000 euros, à 12 000 euros, quel est... Vous étiez deux à 12 000, 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 à 12 000 euros, et Guillaume, c'est contre vous. À 12 000 euros, à 12 000 euros, la mère gagnante de l'Isted à 2 ans. À 12 000 euros, à 12 000 euros, l'enchère à 12 000, à 12 000, à 12 000, 14 000 en face. À 14 000 euros en face, maintenant par Jérôme, votre enchère. À 14 000 euros, à 14 000 euros contre vous, Solène. 15 000. 15 000 euros en face. À 15 000 euros en face, c'est toujours Solène, l'enchère à 15 000. À 15 000 euros, c'est contre vous maintenant. Jérôme, à 15 000 euros. À 15 000 euros, c'est Solène qui tient l'enchère, pas d'erreur, à 15 000. À 15 000 euros, dernière fois, fini Jérôme. 16 000. 16 000 euros. À 16 000 euros, toujours votre enchère. À 16 000 euros. À 16 000 euros, c'est contre vous à gauche. À 16 000 euros, on met 18. À 16 000 euros, on met 18. À 16 000 euros, c'est contre vous. À 16 000 euros, c'est toujours Jérôme, l'enchère à 16 000. À 16 000 euros, fini. À 16 000 euros, merci. À 16 000. 18 000. 18 000 euros, mettez 20. À 18 000 euros. À 18 000 euros, c'est toujours Solène, l'enchère à 18 000. 18 000 euros, c'est contre vous, Jérôme, à 18 000. 18 000, 18 000, 18 000, 18 000, 18 000, 18 000. À 18 000 euros, c'est contre vous, à 18 000. À 18 000 euros, dernière fois, dernière chance, à 18 000. À 18 000 euros, Solène, votre enchère, finie en face, à 18 000 euros. On la juge. 18 000 euros, Solène, votre enchère. Le numéro 439 est présenté par le Hara de l'Aumônerie. Une femelle benne le 8 avril par Alexandros et Maréchal. Alexandros, premier produit d'une fille d'Annaba, premier produit d'une fille d'Annaba, sœur de Maxwell, la famille de Fabulous Pearl, Made of Pearl. À combien de but-on ? Alexandros, le père de Lacalizi, 3 000 euros. À 3 000 euros, Guillaume Blanchard, à 3 000. À 3 000 euros, Guillaume Blanchard, à 3 000 euros, c'est par Guillaume Blanchard, à 3 000. À 3 000 euros, à 4 000. À 4 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 000 euros, à 4 000 euros, 5 000. 5 000 euros, maintenant, l'enchère par Guillaume à 5 000. À 5 000 euros, à 6 000. À 6 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 000 euros, l'enchère est là, à 6 000. 7 000 euros, maintenant, par Guillaume Blanchard, à 7 000. À 7 000 euros, à 7 000 euros, à 8 000 euros. À 8 000 euros, l'enchère est là, à 8 000. À 8 000 euros, 9 000. À 9 000 euros, 9 000 euros, l'enchère est sur 10 000. À 10 000 euros, 12 000. À 12 000 euros, l'enchère est là, c'est contre vous en face, c'est pas là, à 12 000. 12 000, 14 000 en face. À 14 000 euros en face, à 14 000 euros en face, l'enchère maintenant 16 000. À 16 000 euros, à 16 000 euros, c'est toujours Guillaume l'enchère à 16 000. 18 000, 18 000, 18 000, 18 000, 18 000. À 18 000 euros, à 18 000 euros, 20 000. À 20 000 euros, l'enchère en face à 20 000. À 20 000 euros par le père de Lacalizi. À 20 000 euros, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 24 000, 24 000, 24 000. À 24 000 euros, c'est plus vous. À 24 000 euros, l'enchère est par Audrey, à droite. À 24 000 euros, c'est contre vous, Jérôme, à 24 000. À 24 000 euros, à 24 000 euros, que dit-on à 24 000. À 24 000 euros, c'est Audrey, votre enchère, et contre vous en face, c'est fini Guillaume à 24 000. 25 000. 25 000 euros. À 25 000 euros, c'est Jérôme, votre enchère à 25 000. À 25 000 euros, c'est contre vous, Audrey, à 25 000. À 25 000 euros, et Guillaume, je ne vous entends plus, à 25 000. À 25 000 euros. À 25 000 euros, dernière fois, dernière chance, à 25 000. À 25 000 euros, premier produit, une fille d'Annaba, à 26 000. À 26 000 euros. À 26 000 euros, Alexandros, Lacalizi, bien sûr. À 26 000 euros. À 26 000 euros, Audrey, c'est toujours votre enchère à 26 000. À 26 000 euros, c'est contre vous en face, à 26 000. À 26 000 euros, dernière fois, fini Jérôme. À 26 000 euros, merci. À 26 000 euros, l'enchère assise ici par Audrey, à 26 000 euros. On la juge. On la juge, monsieur Johan Gouraud, 26 000 euros, merci monsieur. Le numéro 440 est présenté par le Hara du Saz,
Un poulain noir né le 1er avril par Manduro et Margie Queen. Manduro, Manduro, et c'est le frère de Pietra Santa, le frère de Pietra Santa. La souche de Trillion, Triptyque, Trêve, Moonlight Cloud. Ah, comme d'habitude, ici. Frère de Pietra Santa, Galaxy Star, encore placé depuis apparition du catalogue. 3000 euros. À 3000 euros, qui est à 3000. 3000 euros, 3000. 3000 euros, 3000. 3000 euros, 3000. 3000 euros, qui est à 3000. 3000 euros, 3000. 3000 euros, 3000. 3000 euros, 3000 euros. 3000 euros, à 3000 euros. À 3000 euros, à 3000 euros. Il s'est pris à 3000. 3000 euros devant vous, Guillaume, à 3000. À 3000 euros. À 3000 euros, qui est à 3000. 3000 euros, 3000. 3000 euros, 3000. 3000 euros, 3000. 3000 euros, Manduro. À 3000 euros, qui est à 3000. À 3000 euros, le frère de Pietra Santa. 4000 euros en face, à 4000 euros en face, à 4000 euros en face, à 4000 euros, à 4000 euros, à 4000 euros, sinon chez à gauche, à 4000 euros, à 4000 euros, 5000 monsieur, à 4000 euros, regardez-moi, à 5000, 5000 euros, Guillaume, devant vous, Guillaume, à 5000 euros, à 5000 euros, à 5000 euros, toujours le même, 5000 euros, oui, à 5000 euros, à 5000 euros, c'est votre enchère, à 5000, à 5000 euros, c'est contre vous en face, 5000, à 5000 euros, à 5000 euros, que l'enchère, à 6000, à 6000 euros en face, à 6000 euros en face, à 6000 euros en face, 6000 bid against you, sir, à 6000 euros, à 6000 euros, à 6000 euros, que l'enchère, à 6000, à 6000 euros, c'est contre vous, à 6000 euros, mettez 7, à 6000 euros, mettez 7, à 6000 euros, l'enchère là, 7000. C'est Marie ? C'est Marie ou c'est Solène ? À 7000 euros, à 7000 euros, c'est Marie et Solène. À 7000 euros, à 7000 euros, à 7000 euros, c'est Marie alors. À 7000 euros, à 7000 euros, à 7000 euros, et il est parti, Guillaume ? À 7000 euros, 8000, nouvel enchérisseur. À 8000 euros, 8000 euros, nouvel enchérisseur. À 8000 euros, que l'enchère 8000, à 8000 euros, à 8000, à 8000 euros, à 8000, à 8000 euros, à 8000, à 8000 euros, l'enchère là, à 8000, à 8000 euros, que l'enchère 8000, à 8000 euros, c'est toujours Audrey 9000 en face. 9000 euros en face, 10000, à 10000 euros, à 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 10000 euros, c'est Audrey l'enchère à 10000, à 10000 euros, que l'enchère à 10000, à 10000 euros, à 10000, à 10000 euros, 12000, 12000 euros, c'est Jérôme, votre enchère à 12000, à 12000 euros, c'est contre vous, 14000, 14000, 14000, 14000, 14000, 14000, à 14000 euros, l'enchère au téléphone, à 14000 euros, 15000, 15000 euros, l'enchère en face, 15000, à 15000 euros, mettez 16 pour l'avoir, 16000. 16000 euros, à 16000 euros, c'est fini, en face 16000, à 16000 euros, merci, il est parti, à 16000, à 16000 euros, c'est fini, Guillaume, à 16000 euros, l'enchère est là, au téléphone, et on va la juger, à 16000 euros, il est parti, merci de votre aide, à 16000 euros, dernière fois, à 16000 euros, on la juge, monsieur Paul Nataf, 16000 euros, merci monsieur. Le numéro 441 est présenté par le Hara de Grand Caen, un poulain ben est le 24 janvier par Rock of Gibraltar et Maridar. A noter que ce cheval est vendu sans TVA à hauteur de 25%. 25% of this horse is sold without VAT. Rock of Gibraltar, mère Sindar, Sindar, tout bon père de mère, et c'est la famille d'Anna Marie Morandi. Ah, comme d'habitude, petit chevalier, 3000 euros. À 3000 euros, à 3000 euros, la famille de Morandi. 3000 euros, c'est prêt à 3000. 3000 euros, c'est Solène qui dit en chair à 3000. 3000 euros, 3000, 3000 euros, 3000, 3000 euros, 3000. À 3000 euros, Rock of Gibraltar. À 3000 euros, à 3000 euros, The Rock. À 3000 euros, Prince Gibraltar. À 3000 euros, à 3000 euros, que l'on chère à 3000. À 3000 euros, à 3000 euros, c'est Solène, notre chère à 4000. À 4000 euros, à 4000. 5000 euros, à 5000 euros, c'est Guillaume Lachard à 5000. À 5000 euros, Rock of Gibraltar. 6000 euros en face. À 6000 euros en face. À 6000 euros en face. 6000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, 10000, 10000, 10000, 10000. 10000 euros, c'est Guillaume Lachard à 10000. 12000 euros. À 12000 euros, Rock of Gibraltar. À 12000 euros, Prince Gibraltar. À 12000 euros. 12000 euros maintenant l'enchère par Guillaume à 12000, 14000 en face, à 14000 euros l'enchère en face, 14000, à 14000 euros c'est Solène, à 14000 euros 16000, 18000 maintenant par Marie, à 18000 euros c'est Marie l'enchère, à 18000 euros Rock of Gibraltar, à 18000 euros Prince Gibraltar, à 18000 euros, à 18000 euros que l'enchère à 18000, à 18000 euros c'est Marie l'enchère, si vous êtes battu Guillaume à 18000, à 18000 euros je... 19000 euros, à 19000 euros c'est contre vous Marie, à 19000 euros 20000, nouvel enchérisseur par Jérôme, à 20000 euros nouvel enchérisseur, à 20000 euros rien à gauche, à 20000 euros l'enchère est par Jérôme, à 20000 euros, à 20000 euros c'est contre vous monsieur à la barrière, à 20000, à 20000 euros que dit-on, à 20000 euros il se retourne, à 20000, à 20000 euros, à 20000, à 20000 euros, à 20000, à 20000 euros, à 20000, à 20000 euros fini Guillaume, à 20000 euros merci, à 20000 euros l'enchère en face, à 20000 euros fini Solène, à 20000 euros l'enchère par Jérôme, à 20000 euros dernière fois, à 20000 euros. On a dû 20000 euros, Jérôme. Le numéro 442 est présenté par le Hara d'Etrehan. Un poulain ben est le 14 mai par Lope de Vega et Marguez Magic. Sa demi-sœur Sochi a obtenu deux places supplémentaires et ajoutons que ce poulain est vendu sans TVA. This colt is sold without VAT. Vendu sans TVA et c'est un fils de Lope de Vega. Lope de Vega, mère Rock of Gibraltar. Lope de Vega, mère Rock of Gibraltar. Le père de Bellardo, Lope de Vega, combien de buts-t-on ? 10 000 euros. 10 000 euros qui est l'enchère, Lope de Vega, 10 000 euros. 5 000.
10 000 euros, j'avais en face. 10 000 euros. À 10 000 euros, chasse. C'est votre enchère, oui, pas d'erreur. 10 000 euros. À 10 000 euros, Lope de Vega, Bellardo. À 10 000 euros, qui couvre l'enchère à 10 000. À 10 000 euros, à 10 000. À 10 000 euros, à 10 000. À 10 000 euros, à 10 000 euros. À 10 000 euros, qui couvre à 10 000. À 10 000 euros, Lope de Vega. À 10 000 euros. À 10 000 euros, qui couvre à 10 000. 12 000 en face. À 12 000 euros, maintenant, Jérôme Lanchère à 12 000. 12 000 euros, Merrock of Gibraltar. À 12 000 euros, 14 000. 14 000 devant vous, Solène. À 14 000 euros avec la casquette, oui. 14 000 euros. À 14 000 euros, l'enchère est là. À 14 000 euros, c'est quand vous Jérôme à 14 000. À 14 000 euros, Lope de Vega. À 14 000 euros, Bellardo. À 14 000 euros, l'enchère 14 000. 16 000 en face. À 16 000 euros, l'enchère en face. 18 000, 18 000, 18 000, 18 000, 20 000. À 20 000 euros, à 20 000, speed down the right side. À 20 000 euros, Lope de Vega. À 20 000 euros, l'enchère 20 000. 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 28 000 euros, c'est Audrey. À 28 000 euros, un fils de Lope de Vega. À 28 000 euros. À 28 000 euros, c'est contre vous, Solène. Et c'est contre vous, Jérôme. À 28 000. À 28 000 euros, c'est Audrey qui tient l'enchère. À 28 000 euros, c'est pas là et pas là. À 28 000. À 28 000 euros, vous laissez partir le fils de Lope de Vega. À 28 000. À 28 000 euros, mais Rock of Gibraltar. À 28 000 euros. À 28 000 euros, fini, monsieur. C'est une enchère devant vous. 30 000 euros. À 30 000 euros, Audrey. À 32 000. 32 000 euros maintenant. À 32 000 euros. Le 4 000, sir. À 32 000 euros. À 32 000 euros, it's against you. 32 000 bid against you, sir. 33, c'est contre vous désormais, Solène, à 33 000 euros, l'enchère direct à moi. 33,000 bid on the phone, 35 against you. À 35,000 bid now against you on the phone. À 35,000 bid now, à 35 000 euros, c'est l'enchère par Audrey. À 36, 38 maintenant, 38 000 euros, c'est Solène. 38,000 bid now, 38 000 euros, try 40, 40,000 bid now. À 40 000 euros, l'enchère au téléphone. À 40 000 euros, c'est contre vous, Solène. À 40 000 euros, vous étiez deux, Audrey. À 40 000 euros, Lope de Vega, 42 now. À 42 000 euros, à 42 000 euros, Lope de Vega, mais Rock of Gibraltar. 42 000 euros. 42 000 euros, c'est Solène. À 42 000 euros, c'est contre vous à droite. 42 000 bid now. Against you on the phone. À 42 000 euros, 43. 43, 45, 43, 45, 43, 45. À 43 000 euros. À 43 000 euros, l'enchère au téléphone, toujours. 45 000, 44 000. 44 000 euros, si vous voulez. 44 000 bid now against you. 44, 45, 45, 45, 50, 45, 50, 50. 50 000, 46, 46 000 euros, à 46 000 euros, à 46 000 euros, à 46 000 euros, c'est Solène. 46 000 bid now against you, sir. 47, 47, try 50, à 47, try 50, à 47 000 euros, à 47 000 euros, 48 000, 48 000 euros, à 48 000 euros, try 50, à 48 000 euros, 48 000 bid now against you, sir. À 48 000 bid now, Lope de Vega, Bellardo, à 48 000 bid now against you on the phone, à 48 000 euros, à 48 000 euros, l'enchère est là, and we are selling now, à 48 000 bid now, it's against you, you lose him. À 48, 50, 48, 50, 49, 49, 49 000, à 49 000 euros, à 49 000 euros, vous étiez presque 49 000, 50 000, 50 000 bid now, à 50 000 euros, à 50 000 euros, l'enchère est par Solène, à 50 000 bid now, it's against you, sir, à 50 000 euros, it's against you. 52, 51, 51, 51, 51, 51 now, à 51 000 euros, 52, 52, 52, 52, 55, 52 000 euros, c'est contre vous. À 52, 55, 52, 55, à 52 000 euros, il a dit non, à 52 000. À 52 000 euros, l'enchère au téléphone à gauche par vous, Solène, et c'est fini à droite, you lose him. À 52 000 euros, last time, à 52 000 euros, fini, à 52 000. On a dû, 52 000 euros, Solène, votre enchère. Le numéro 443 est présenté par Neustrian Associates, un poulain ben le 15 février par Youm Zain et Maternelle. Youm Zain, Mère Machiavellian, la famille de Jukebox Jury, la famille de Marofé, Belle Allure, Le Larron. Youm Zain, père de vainqueur, à combien de buts tombe ? 3 000 euros. 3 000 euros, qui est Blanchère ? 3 000 euros. À 3 000 euros, qui est Blanchère ? 3 000. 3 000 euros, 3 000. 3 000 euros, 3 000. 3 000 euros, 3 000. À 3 000 euros, qui est Blanchère ? 3 000. 3 000 euros. À 3 000 euros, qui met 3 000. 3 000 euros, c'est pris par Solène Blanchère à 3 000. 3 000 euros, à 3 000 euros, l'enchère en face à 3 000, 3 000 euros, 3 000, 3 000 euros, 5 000, 5 000 euros, à 5 000 euros, à 5 000 euros, Marie, l'enchère à 5 000. On est reparti. 4 000, 4 000, 4 000, 4 000. On est reparti. 4 000 euros, à 4 000 euros, à 4 000 euros. Pour la dernière heure et demie de cette troisième journée de vente. À 5 000 euros, à 5 000 euros, Faritas Bidna, it's against you, sir. À 5 000 euros. Et on vient de vendre un Lope de Vega à nouveau.
assez cher, 52 000 euros. Il était présenté par le Hara des Troyans, le lot 442. Yes, 52 000 euros quand même. À 5 000 euros, l'enchère est là, à 5 000. À 5 000 euros, dernière fois, you lose him. À 5 000 euros, l'enchère est là par Marie. Alors les ventes, c'est, ça passe du Coca Light, hein. J'ai déjà dit 117 là tout à l'heure. On est à 52 000 euros pour le 442 et là, 5 000 euros pour le Hara du Buff et un poulain de Yumzen et Maternel. Super bien né pourtant parce que Maternel est une sorte de jukebox jury. Belle allure, Pierre au solaire, The Mask, le larron. À 6 000 euros, qu'on enchaîne à 6 000. À 6 000 euros, c'est fini à 6 000. À 6 000 euros. 7 000 nouvelles enchérisseurs, à 7 000 euros l'enchère au fond du passage, à 7 000 euros. Ce poulain, c'est également un cousin d'Orset Square, un gagnant de groupe 2 sur les haies. À 8 000 euros, bien sûr, à 8 000 euros, 9 000, 9 000 euros, 10 000, 9 000 euros, 10 000, à 9 000 euros, arrondissez, monsieur, à 9 000 euros, à 9 000 euros, il a dit non. Jukebox Fury, c'est pas le gris qui avait gagné ici le Car Gorlet et Grand Prix de Deauville même. Mark Johnston, c'est ça? Oui, c'est Mark Johnston, exactement, pour le Kazakh rouge. On a juge. Solène, votre enchère, 9000. Le numéro 444 est présenté par le Hara des Sablonnais. Un poulain ben est le 20 janvier par Ken d'Argent et Melinda. Ah, du Ken d'Argent. Très oula, en vente. Oula, Ken d'Argent. Ken d'Argent, mère gagnante de 4 courses. La et c'est son premier produit. Le très rapide Red Dubawi. Fils de Ken d'Argent. Qui a gagné un groupe 2 et un groupe 3 cette année, Red Dubawi, un fils de Red Dubawi, pardon, qui est issu de cette souche du Hara des Sablonnais. Très ancienne souche du Hara des Sablonnais. Ah oui, dis donc. Alors, j'ai une question. À 10 000 euros, qui est l'enchère à 10 000. À 10 000 euros, un bon poulain de cas d'argent, ici 12 000. À 12 000 euros, maintenant, l'enchère à 12 000. À 12 000 euros, c'est Solène votre. Qui est laquelle, Arnaud? À 12 000 euros, c'est quand on vous guillemets à 12 000. À 12 000 euros, un bon poulain de cas d'argent, 14 000, maintenant, l'enchère à 16 000. À 16 000 euros, maintenant, par Bernard, 18 000, 20 000, 20 000, 22 000, 22 000 euros. J'ai une question. Pour du. Quelle est la date de la création du Hara des Sablonnais? L'année de création du Hara des Sablonnais? 1864. Et oui, j'ai gagné. À 60 000 euros. Puisque le Hara des Sablonnais fête 150 ans d'histoire en 2014. 62 000 euros en face. Toujours sous la direction d'Antoine de Talo et Troyes, associé à son frère Hervé. Et c'est Valentin Berroire qui dirige le Hara au quotidien. Valentin, c'est le garçon qui est tout simplement à la tête du poulain ici. Poulain de Ken d'Argent et Melinda par numéros. À 65 000 euros. Melinda, numéro, ça n'a pas été un très bon étalon, mais Melinda était très bonne, 4 hein, victoires. 66. Et puis, c'est la sœur de Foncia, de Fonfroid, de famille de Maretsu, Red Dubawi. 68 68 000. À 68 000 euros, mettez 70. Red Dubawi, en effet. À 68 000 euros, un tout beau poulain de Ken d'Argent. 68 000 euros. À 68 000 euros, essayez 70. Un des plus gros prix de la journée. 68 000 euros, c'est contre vous, Guy. On a des photos de Red Dubawi, de Foncia, bien entendu. 68 000 euros. Sur l'espace interactif, sur la fiche multimédia de ce 444. Vous le perdez, Guillaume. 70 000. 70 000, c'est pas fini. 69. 69 000 euros, à 69 000 euros, à 69 000 euros l'enchère en face, à 69 000 euros et c'est contre vous, assis, à 69 000 euros que dit-on, à 69 000 euros. Tiens, joue Alban de Miel autour du ring. À 69 000, à 69 000 euros. Je sais pas si c'est lui qui investit pour une carne. À 69 000 euros, fini monsieur, à 69 000 euros l'enchère en face par Jérôme, à 69 000 euros, fini, à 69 000 euros. On a juge, c'est Nicolas Clément, 69 000 euros. Nicolas Clément qui a acheté ce mâle de Ken d'Argent. Le Hara des Embruns. Alors la mère est une fille numéro, comme tu l'as dit tout à l'heure, Arnaud. Mille couleurs. Melinda, elle n'a pas été saillie en 2013. Et cette année, elle a été saillie à Mutatir. Le petit-fils de Verglas ici. Belle vente pour le Hara des Sablonnais. Donc. Frère de trois vainqueurs, dont Minben, de Bon Minben, la famille de Naoud, San Marino Grey, combien de buts-on ?
3000 euros, à 3000 euros qui met 3000, 3000 euros, à 3000 euros qui met 3000, 3000 euros à 3000, 3000 euros à 3000, 3000, à 3000 euros qui met 3, 445 désormais. 3000 euros, à 3000 euros. Présenté par le haras des embruns, fils de Silver Frost avec une mère pour Spectrum. Une mère qui a donné déjà Mindbend, fils de Verga. Le haras de 10 courses. 3000 euros, Solène, c'est votre enchère. Et plus de 200 000 euros de gains. C'est notamment 4e du grand handicap de Deauville, Listed. 5000 euros, t'es en face de 5000, à 5000 euros, à 5000, à 5000 euros, à 6000, 6000 euros, par Marie, à 6000 euros, j'avais Marie, à 6000 euros, elle a crié avant vous, à 6000 euros, à 6000 euros. Tiens, Loïc, il y a Thierry Dallonga qui vient me voir pour me demander ce que j'avais pensé du loup breton qui est passé tout à l'heure, le 384 ou 374, qui a fait un peu d'argent d'ailleurs, qui était magnifique. Oui. Non, c'est pas 374, qui a bien été vendu. Oui. Genre dans les 15 000. C'était un magnifique cheval et il m'a dit, et m'a confirmé que loup breton, le 14 000 euros. Magnifique cheval, poulain, qui a été. Et donc loup breton va s'être déplacé au ras du Favri. Donc une nouvelle, voilà. Une nouvelle intéressante. Qui vient d'être confirmé, au ras du Favri. Loïc, tu vas faire un article, bien sûr, dans le Mercato des étalons. Au ras du Favri, on va prendre la place de Lord du Sud. Voilà. 14 000 euros, Marie, votre enchère. Bah, c'est pas bête hein, de mettre l'étalon dans le box de l'Ordre du Sud. La place est chaude. Il y avait beaucoup de candidatures hein, pour l'Ordre du Sud. Plus de 100 juments depuis 2 ans. 133 juments en 2014. Voilà. Le cheval se déplace, lui, à Cercy. Et oui, Equiano, ici, la mère Black Type, a déjà produit 3 vainqueurs. Et c'est la famille d'Amorama de Délices placée des Ipitelors Stakes Group 1 depuis l'apparition du catalogue. La famille de Triptyque Trillion, la souche de Trillion en ligne directe. Alors là, Ludovic, il est en train de nous vendre le pédigré du prochain. Qui débute l'enchère. Mais il y a de quoi, hein, c'est Equiano, donc Equiano, ça c'est bien. Equiano, 3000 euros. Jeune étalon qui marche bien, la mère placée de Listed. 3000 en France. 3000 euros, Equiano. Elle a donné 3 vainqueurs et puis la mère c'est une sorte de Amorama. Gagnante de groupe 1. Uncoiled. Table ronde et puis ce poulain c'est le cousin de Odélise qui a été placé des Falmouth Stakes. Depuis l'apparition du catalogue, c'était il y a quelques jours à Woodbine. Cette fille de Falco. Au Canada. Présenté par Thierry de la Héronnière, du Haras des Longs à côté de Bayeux. À 10 000 euros, à 10 000 euros, c'est toujours par vous qu'on le voit à 10 000, 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 à 10 000 euros de Family of Trev, Trillion. The Family of Trev? Ah yes, under the Fort Mare, there is Trev, puisque the Fort Mare is Trillion. Equiano, à 11 000 euros, à 11 000 euros, is very good value, à 11 000 euros. Et Trillion est la cinquième mère de Trev. Ah! À 11 000 euros, c'est toujours votre enchère à 11 000. Famille de Triptyque aussi, bien sûr. Par vous et contre vous, Guillaume. Et de... C'est partir. Equiano. La championne de Moonlight Cloud aussi, la championne de Freddy Head. À 11 000 euros. La famille Gennaro, ouais, également. 11 000 euros. Pas cher, ça. Dove the Derby. Ah, oui. Le numéro 447 est présenté par le Haras des Sablonnais. Ah, le Havre. Alzan est le 9 avril par le Havre et Ministralis. Le Havre, tout beau poulain ici de Le Havre, la famille de Roche du Queen, la très rapide et précoce Roche du Queen. Le Haras des Sablonnais, on en parlait tout à l'heure. Un beau poulain de Le Havre. Ils ont vendu un mâle de Ken d'Argent pour 69 000 euros. GG à Nicolas Clément. 5000 euros. À 5000 euros, il y a quelques lots à peine. Il nous présente à nouveau ce 447. À 3000 euros. Un fils de Le Havre, pardon. Bien sûr, 3000 euros. Avec une mère par Hermando. Inastris qui a été élevé par l'ancien propriétaire d'Al-Kazim, enfin le nouveau même propriétaire d'Al-Kazim, puisque Al-Kazim avait débuté sa carrière sous la Kazakh Dir. Daniel John Dir. Et par la suite, il avait été syndiqué, cet Al-Kazim, vendu très cher. Malheureusement, il était infertile. Il est retourné à l'entraînement et il vient de se classer deuxième des Champion Stakes. 32 000 euros.
à Royal Ascot. Et donc Ministralis a été élevé par Daniel John Deere. Elle n'a pas couru, elle a déjà produit une femelle de High Chaparral qui est âgée de 2 ans. Et Ministralis appartient à Eric Aubry désormais. D'ailleurs, la Chaparral a été élevée par Eric Aubry du Haras de la Placière qu'on peut retrouver sur France Cire. Et ce poulain de Le Havre a également été élevé au Haras de la Placière par Eric Aubry. C'est dans la Sarthe, c'est tout près du Haras des Sablonnais. Et cette année, Ministralis a eu une femelle de Ken d'Argent. Donc ce poulain de Le Havre est un oncle de Roche du Queen, gagnante l'an dernier, ou il y a 2 ans seulement, des Chivley Park. Fabrice Chappé qui est là. Et Ludovic, pardon, l'a regardé. C'est peut-être lui qui met les enchères. Le marteau va tomber cette fois à 45 000 euros. On adjuge, Monsieur Chappé, 45 000 euros. C'est bien lui. Le numéro 448 est présenté par le haras du Logis. Un poulain Ben est le 21 février par Zafine et Minalouche. On en profite pour vous signaler que le nouvel espace membre va sortir la semaine prochaine. Ça va être bien les nouvel espace membre. Tous nos amis éleveurs, tous vous qui nous écoutez, qui êtes éleveurs et qui avait déjà une page sur France Cire ou qui veut aller en avoir bientôt, pour ça il faut contacter Loïc Técher, et bien vous avez la possibilité de modifier, de gérer, de mettre à jour votre page sur France Cire. Bien en fait avec un accès qui en sera grandement facilité, une interface user friendly comme on dit. L'espace membre pour les éleveurs, pour les déboureurs aussi. Et puis pour les propriétaires des étalons qui sont en page sur France. Tandis que nous avons Pépé Gilles Barbarin, qui vient de faire son apparition dans le ring de vente entouré de 2 femmes. Dont Alexandra Saint-Martin. Et Alix Chopin de Janvry. Christophe Gustave également. Et Karim Belluto. Voilà, les éleveurs de Blue Soave. 9 000, et Blue Panis. 9 000, 10 000, 10 000, 10 000, toujours en face, l'enchère à 10 000, à 10 000 euros, à 12 000, 12 000, à 10 000 pour un 12 000, cousin, à 12 000 euros l'enchère, à 12 000, de Paul Doxag, à 12 000, 14 000, cette gagnante du prix des réservoirs, cette fille de Lehmann, a de fortes chances que ce Mitch, qui s'appelle Mitch ce poulain, soit élevé par Madame Georges Sandor. Mais voilà, on l'a vu, Pépé Gilles, avec sa chevelure blonde flamboyante. Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer. Okay. Ah ouais. Oh. Pépé Gilles. À 20 000 euros l'enchère, c'est bien vu par Legré. À 20 000 euros l'enchère, toujours Jérôme, l'enchère à 20 000. À 20 000 euros. À 20 000 euros qui couvrent de 20 000. À 20 000 euros, personne au-dessus de 20 000. À 20 000 euros, on va être jugé. À 20 000, le fils de Zafine à 20 000, c'est bien vu par Legré. À 20 000 euros, dernière fois, 20 000. On va être jugé. 20 000, Jérôme. Le numéro 440. Arnaud, j'ai une question. Zafine, faisait-il la monte en France de Montaigu. Bonjour à tous, bienvenue à Question pour du pognon. Et oui, effectivement, Zafine fait une bise en même temps à Karine Belluto. Zafine faisait la monte en France, car c'était l'année où il venait d'arriver au haras du Petit Tellier. Juste après avoir donné naissance, après que sa fille. Non, je dis une bêtise, mais il était arrivé au ras du Petit Tellier. Le 49 est un poulain de Astronomer Royal et Miss Maybe qui, lui, ne fait plus la monte en France puisqu'il est parti en Australie et il y reste ce fils de Danzig. Gagnant de la poule d'essai des poulains. C'est le père de Stella Arpas, dont la sœur a été vendue. Le frère même a été vendu 34 000 euros. Le frère de qui? Le frère de Stella Arpas a été vendu 34 000 euros hier ou avant-hier, je ne sais plus. Et en tout cas, c'est Othier Bloodstock qui l'a acheté, qui avait déjà acheté Stella Arpas yearling. Tu auras de la Roboursière donc.
ou fait la monte. Non, attends, c'est français ça ou... Le rat de la Robancière ou fait la monte littérato. Ou fait la monte littérato, j'arrive même pas. C'est pas hyper français, mais bon, à ce temps-là ça va. Mais bon, vous avez compris. Ce serait mieux ou littérato fait la monte. Ou littérato, voilà. J'avais un doute, il a été justifié. C'est à vous. Littérato, le père d'excellents 2 ans. Cette année, le père de Vendouessant. Le père d'Inarrêtable, insolite et image seconde. Et l'an prochain, il sera proposé à un tarif très abordable à 3 000 euros la CI. Poulain vivant. Je la monte à côté de Martaline et Norisk at all. Sibyl Gibson. La fille d'Aliette Forien. On avait déjà cette famille lors de ses ventes. Ce qu'on retrouve My Cat Can Dance. Un amusant. My Cat Can Dance. Mon chat peut danser. Ah! À 18 000 euros l'enchère par Guillaume, à 19 000 et plus en face. 20 000 voulez-vous ? Bon, ça c'est beau de l'affirmer, mais encore faut-il le voir. Hein, 19 000 voulez-vous 20 000 ? Bah, y a bien un groupe de musique célèbre qui s'appelait Dead Can Dance. Les morts peuvent danser. Fini, Jérôme. À 19 000, on va. On passe après. Alors, Miss Maybe, donc son troisième produit, qu'on va juger à 19 000. On a jugé. Et Arnaud, c'est le frère de. Séran. 450 est présenté. De quoi la roulée de Séran, le bon vin blanc ? Non, le cheval, Séran. Ah, le Séran. Leader de Decto. Du docteur Dablon du 19. Le matin à l'entraînement. Hein ? Poulain présente un hygroma du genou gauche. Il ne présente pas de boiterie et les radiographies pratiquées ce jour sont normales. Le pronostic est favorable à ce jour. C'est le demi-frère de Talvar, gagnant de groupe. Et gagnant de 5 courses. Propre. Alors, le demi-frère de Talvar, Talvar, le cheval, l'infini d'acclamation, généreux, gagnant des Solaios Tex, groupe 3. C'est même le propre frère de Talvar. C'est la famille de Moonlight Cloud, Cedar Mountain, et donc la famille dont on parlions tout à l'heure, Generous Imagine, Trèves, Trillion, et Tutti et Quanti. J'aime beaucoup le père de mère, Mardu. À 10 000 euros, 5 000, voulez-vous 5 000, qui offre 5 000 le pro, oui, 5 000, Guillaume Lanchère à 5 000. À 5 000 euros, 6 000, à 6 000, plus vous, Guillaume, à 6 000. À 6 000 euros, le propre frère de Talvar à 6 000, à 6 000 euros, qui couvre en jeu de 6 000. Présenté par le rat de Saint-Père. À 6 000 euros, qui couvre en jeu de 6 000. À 6 000, c'est 8 000, Jérôme contre vous à 8 000, à 8 000. À 8 000 euros, qui couvre en jeu de 8 000. À 8 000, 10 000, 12 000, à l'enchère à 12 000, qui couvre en jeu de 12 000, le propre frère de Talvar à 12 000 euros, l'acclamation Ray, 14 000, contre vous, Laura l'enchère à 15 000, qui couvre en jeu de 15 000, à 15 000 euros, plus vous, Jérôme, à 15 000 euros, le fils d'acclamation, le propre frère de Talvar à 15 000, nous sommes, à 15 000 euros, 16 000, plus en face, l'enchère, à 17 000 euros, Jérôme contre vous à 18 000, voulez-vous 20, à 18 000 euros contre vous, à 20 000, Jérôme toujours à 22 000 euros, qui couvre en jeu de 22 000, à 22 000, 23. On est à 22, 23 même. On met 25, à 23 000, on 25. Ce poulain présenté par Andreas Putsch du Hara de Saint-Père. À 25 000 euros. Il a vendu hier le top price. De la famille de Moonlight Cloud. Chamarda à 150 000 euros. À 25 000 euros, c'est bien vu. Par Rome Carm. 26 000. Jérôme toujours à 26 000 euros et plus vous Laura l'enchère. À 26 000, c'est bien vu. À 27 000. À 27 000 euros. À 27 000.
000 euros qui court en jeu de 27 000 à 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000. On essaye 30 à 28 000 euros, à 28 000 euros, à 28 000 euros, à 28 000 euros. Bien vu, à 28 000 voulez-vous 30, à 28 000, à 28 000 euros. Le propre frère de Talvar, à 28 000, on va l'adjuger. À 28 000 euros, pas de regret non, à 28 000, c'est vu, c'est fini, à 28 000, à 28 000, vous le laissez partir, à 28 000 euros, pas de regret, nulle part. 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, Jérôme, 30 000, 30 000, 30 000, qui congé de 30 000, à 30 000 euros. Le fils acclamation à 30 000, à 30 000 euros, à 30 000 euros, c'est bien vu. À 30 000 euros, pas de regret non, à 30 000, fini. À 30 000, on va être jugé, à 30 000 euros, on la juge. 30 000, Jérôme. Le numéro 451 est présenté par le haras du Mézeray, une femelle benne, le 11 mars, par Mr. Sidney Moon. Moon, qui est une sorte de Fearless Jack, gagnant de l'Easted. La grand-mère, c'est Gravière, gagnante de groupe 1. Combien offre-t-on pour la fille de Mr. Sidney? 10 000, 5 000, 5 000 euros, 5 000 euros. Qui offre 5 000 pour la fille de Mr. Sidney à 5 000? À 5 000 euros, à 5 000 euros, qui offre 5 000? Allons-y, mettez vos enchères. À 5 000 euros, la petite fille de Gravière, à 5 000, à 5 000, nous sommes. À 5 000 euros, à 5 000 euros, 3 000, voulez-vous pour débuter? Allons-y, à 3 000 euros l'enchère, à 3 000 euros, 3 000, Guillaume, l'enchère à 3 000, à 3 000 euros, à 3 000 euros, qui coûte un jeu de 3 000 pour la fille de Mr. Sidney, à 3 000 euros, à 3 000 euros. À 3 000 euros, qui offre, qui couvre l'enchère de 3 000. 4 000, 4 000 Guillaume, 4 000, 4 000 qui couvre l'enchère de 4 000. À 4 000 euros, à 4 000 euros, à 4 000 euros nous sommes. À 4 000 euros l'enchère, à 4 000, à 4 000 euros l'enchère, c'est bien vu, pas de regret non. À 4 000 l'enchère par Guillaume, à 4 000 pour la fille de Mr. Sidney, à 4 000, à 4 000 euros, à 4 000 euros, personne ne couvre l'enchère de 4 000. À 4 000 euros, vous la laissez partir. À 4 000 euros, c'est bien vu, pas de regret. À 4 000 euros seulement nous sommes. À 4 000, bien vu, pas de regret non. À 4 000 euros, rien au-dessus de 4 000, c'est bien vu, rien au-dessus de 4 000, pas de regret. On va être jugé. À 4 000 euros, rien au-dessus de 4 000, l'enchère par Guillaume. À 4 000 euros, on va être jugé. 4 000, Guillaume. Le numéro 452 est présenté par le haras de Grand Camp, une femelle Alzane, née le 19 février par Vision d'État et Nakia. Demi-sœur de 6 vainqueurs, dont Blue Cayenne, gagnante de l'Easted. La mère est par Kendor, un très bon père de mère. Combien offre-t-on pour cette fille de Vision d'État, demi-sœur de 6 vainqueurs, demi-sœur d'un gagnant de l'Easted? 10 000, 5 000, 5 000, 5 000. Qui offre 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, l'enchère à 5 000, à 5 000, à 5 000, à 5 000 euros, à 5 000 euros, 3 000, voulez-vous pour débuter? 3 000, oui, 3 000, à gauche, l'enchère Marie, à 3 000, à 3 000, à 3 000, à 3 000 euros, la fille de Vision d'État, la mère Parkendor, à 3 000, à 3 000, la sœur de Blue Cayenne, à 3 000, à 3 000 euros, à 3 000 euros, qui coupe en chaîne de 3 000, à 3 000 euros, 3, 4 000, 4 000, 4 000, 4 000, à 4 000, à 4 000, plus vaut 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, contre vous, Laura, à 5 000 euros, à 5 000 euros, qui coupe en chaîne de 5 000, à 5 000, 6 000, 6 000, 6 000, 6 000, à 6 000 euros, à 7 000, 7 000, 7 000, à 7 000, à 7 000, qui coûte de 7 000, à 7 000 euros l'enchère, à 7 000 euros, à 7 000 euros, qui coûte de 7 000, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, voulez-vous Vision d'État, à 8 000 euros, à 8 000 euros, Alzane, pas commun ça, à 8 000 euros, c'est Laura, à 8 000 euros, qui coûte de 8 000, à 8 000, et oui, une Vision d'État, Alzane, à 8 000 euros, à 8 000, c'est surprenant, fait la montre, à 8 000 euros, au haras de Grand Camp, chez Eric l'Ermite, qui coûte de 8 000, à 8 000 euros, à 8 000 euros l'enchère, pour la fille de Mr. Sidney, la sœur de Blue Cayenne. L'éleveur d'ailleurs de cette fille de Vision d'État. Attends, attends, il a dit fille de Mr. Sidney, on n'a pas raté un cheval là. Non, non, c'est bien 252. C'est tout à l'heure, c'était tout à l'heure. 452. Hop, oh, il y a eu non, bah trop tard. Laura. Le numéro 453 est présenté. Oui, oui. Ah oui, d'accord, 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 d'accord. Une femelle benne est le 28 mars par Duke of Marmalade et Nertica. Donc le haras du pardon, je pars un peu trop fort. Le haras du Mézeray nous présente une fille de Duke of Marmalade, le lot 453. Maternelle pour cette fille de Duke of Marmalade, combien offre-t-on? 10 000. 10 000, issue de la sœur d'Atticus. 10 000, 5 000, 5 000 euros, voulez-vous? 5 000, qui offre 5 000 pour débuter? 5 000, 5 000, qui offre 5 000? Issue de la sœur d'Atticus. Est-ce que c'est bien Atticus ou je confonds qui avait mis fin à l'invincibilité de Cigar en... L'invincibilité de cigares aux États-Unis. Alors ça, c'est une très bonne question. Mon Dieu, je ne suis pas étonné. Bah voilà. Et non, mais voilà. On va appeler Mr. Google. Voilà.
Voilà, voilà quand on embauche des rotignols. Des jeunes. Ah là là. Contre vous. À 4000, à 4000, 5000, 5000, 5000, 5000, plus vous. Non, je confonds. Mais non, suis-je bête ? Je suis bête, je suis bête. Ce n'est pas du tout lui qui avait mis fin à la carrière. 7000, 7000, 7000, Jérôme contre vous à 7000. À la, l'invincibilité de Cigar, mais lui il fait la monte à Magali Farm. Magali Farm que nous avons visité, que vous pouvez visiter sur France Cire, en Californie. 8000 euros l'enchère par Jérôme à 8000, à 8000 euros, plus vous Guillaume. Ce Atticus en question là, était deuxième de Vettori dans la poule d'essai. Des poulains avant de partir aux États-Unis où il a réalisé une grande carrière puisqu'il s'est imposé dans un groupe. Hein. Atticus, c'est l'oncle de cette fille de Dieu que Marmelade. Voilà, Atticus qui fait la monte à Magali Farm. Donc je vous invite à regarder Magali, sans eux Magali. Lors du Tour du Monde proposé par la STH Hipavia, nous sommes allés en Californie voir ce grand hara, Magali Farm, qui est dirigé par, comment il s'appelle, un directeur qui a une ressemblance absolument frappante avec François Hollande. Stupéfiant. La sœur d'Atticus, un beau pedigree pour cette fille de Duke of Marmalade, la mère par Sadler's Wells, à 15 000 euros nous sommes. À 15 000, la mère par Sadler's Wells, mais bon, mais Duke of Marmalade, c'est pas facile à vendre. Hein. 16 000, 16 000, il a été d'ailleurs, il a quitté. Tom Hudson, qui n'est pas le neveu de Rock Hudson, mais qui est le cousin caché de François Hollande. Vous allez le voir, c'est stupéfiant. Magali, tapez dans le moteur de recherche Magali et Magia. Et vous allez trouver Farms, Magali Farm en Californie, un film hollywoodien en vrai, et oui effectivement, car c'est le nom de l'article. Et vous allez pouvoir, si vous cliquez sur le bouton play là, le bouton play là, de la vidéo, une introduction de vidéo absolument fascinante. À 19 000, 19 000, 19 000, à 19 000, à 19 000, oui, le remake à 19 000, à 19 000 euros, de Santa Barbara qui me dira 19 000, pourquoi 19 000, j'ai le mal de vivre. Voilà, du jet, ça, je peux pas continuer. 19 000, le remake de, du générique de Santa Barbara. On adjuge. 19 000, Guillaume. Le numéro avec Lise Alopé et Arnaud Poirier, magnifique, qui jouent tous les rôles dans ce générique. Ils jouent tous les rôles. Santa Barbara. La polyvalence, voilà. On fait play obstacle. Play obstacle. Championne à 2 ans. Ah oui, parce qu'en fait, Magali Farm, pourquoi ça? Parce que Magali Farm, c'est tout près de Santa Barbara. Combien offre-t-on aux Arcabades, Coquerel, Darjeuna, Zenda? Pourquoi j'ai le mal de vie. Alors, pour bien chanter, il faudrait que j'apprenne un peu mon solfège. Et à l'envers. Voilà. Allons-y, la fille de Zamindar à 5000, à 5000 euros, à 5000 euros, la fille de Zamindar à 5000, à 5000 euros, à 5000 euros, qui offre 5000, 3000, 3000, 3000, Ludovic Lanchère, à 3000 euros, à 3000 euros, Ludovic, 4000, 4000, 4000, 4000, 4000, qui coûte Lanchère de 4000, à 4000 euros, pour la fille 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000. En tout cas, si vous, pour vous inviter encore plus et pour vous inciter à regarder ce reportage, avec cette introduction de du remake de Santa Barbara, c'est là une des rares, très rares occasions de voir et d'admirer, même si c'est en contre-jour, Lisa Lopé en... Ah là, les enchaînements d'Arnaud Poirier, c'est ah ouais, extraordinaire. À 12 000 euros, à 12 000 euros, qui conchait de 12 000. À 12 000 euros, faut que je prenne de la graine. 13 000, 13 000 euros, à 13 000 euros nous sommes, à 13 000, à 13 000 euros, à 13 000 euros, qui conchait de 14, 14, 14 000, 14 000. Bon, sinon, heureusement qu'il y en a qui sont présents pour regarder les chevaux, puisqu'on est à une fille des amis. Figure-toi que l'enchaînement de la mort qui tue, je vais te le dire, moi, la motrée consignement, le 454, par Zamindar, et la mère s'appelle Nismatin. Et Nismatin, elle est par qui? Elle est par Tiznao. Et bien, Tiznao, où fait-il la monte? Où fait-il la monte? Et bien, pas très loin de Magali Farm. Mais pas à Magali Farm, à Harris Farm, qui est le plus grand hara de Californie, au milieu du désert, dans une ferme de 20 000 hectares de céréales et de coton. On y chante encore le blues dans la campagne de Californie, parce que là, du coup, c'est pas du tout au bord de la mer, c'est vraiment sur une plaine désertique, aride et désolée, avec quelques bulls maigres, des bulls, enfin des taureaux maigres, et puis des bagnoles défoncées, des pick-up bleu ciel des années 70, avec le réservoir crevé
et c'est là qu'est né Tiznao, le père de mère de Spoulin, double vainqueur de la Breeders' Cup Classic à Harris Farm. Harris Farm, où est né également elle est par le California Crow. Mais oui. On fait la monte également. Le père du Lucky Pulpit. Oh, Lucky Pulpit, voilà. Et pour finir l'histoire, oui. Parce que la Californie, on y a, c'est là où on fait des choses assez extraordinaires au bord de la mer. Eh bien, si vous regardez les reportages de la Californie de l'année précédente, c'est-à-dire pas ceux de la Breeders' Cup 2013, mais la Breeders' Cup 2012, vous allez voir un entraînement très spécial. À l'époque, il y avait Moonlight Cloud qui courait. Et si vous allez voir ce reportage, vous tapez Breeders' Cup, vous tapez Moonlight Cloud dans les moteurs de recherche, vous allez pouvoir admirer une introduction où là, on a fait un remake non pas de Santa Barbara, mais un direct de Alerte à Malibu où on a la chance de voir Lisa Lopé, mais aussi Arnaud Poirier en quoi ? Eh oui. De 8000 à 8000 euros. Bien. 8000 euros à 8000 euros à 8000 euros. J'espère que vous avez tout retenu. On parlera à 8000 à 8000 euros à 8000 euros. Harris Farm, si vous cherchez le reportage, Harris, ça s'écrit H-A-2-R. À 8000 euros qui couvre en jeu de 8000 à 8000 euros. Pressons une fille de McPhee à 8000 euros. La mère. McPhee entraîné en France. C'est bien vu par le Grénon. À 8000 euros, vous la laissez. McPhee entraîné en France par Michael Dezan qui avait gagné les 1000 Guinées. Et McPhee qui va revenir en France, qui va apporter la lumière sur l'élevage français, McPhee, ce fils de Toubaoui, O'Hara de Bonneval chez Lagacan, qui est lui-même un chef spirituel Lagacan, et qui pourrait s'inspirer de cette chanson pour la promotion du retour de McPhee en France. Qui couvrent de 10 000, on va te juger. Qu'est-ce qu'il ferait le film à 10 000 euros presque. McPhee revient. McPhee revient parmi les siens. 12 000, plus vous, monsieur, dans le passage, à 12 000 euros, plus là, à 12 000 euros, à 12 000 euros, la fille de McPhee, à 12 000, à 12 000 euros. Knight Danson, à 12 000 euros, à 12 la mère, est issue du fabuleux, du feu fabuleux Monson. À 12 000 euros l'enchère au premier rang assis, à 12 000 euros, et on va être jugé, à 12 000 euros, fini là-bas. Le crack, le super crack défunt. Des étalons allemands et maintenant européens, 12 000 euros. Monson, le cheval qui saillissait, il était tombé aveugle depuis plusieurs années et il continuait à saillir. Ce qui n'est pas évident, hein, quand même, mais bon, il paraît qu'il y en a qui font ça la nuit sur la lumière. Alors, My Boy Charlie est un étalon qui fait toujours la monte en France au Haras du Mézeray, bien entendu, mais aussi en Australie en double saison. Et nous l'avons d'ailleurs trouvé il y a deux ans et pouvait retrouver grâce au tour du monde STH Ipavia à Winery Stud dans un des plus grands haras en Australie dans la Hunter Valley. Charlie, combien offre-t-on? 10 000, voulez-vous 10 000, 10 000, 10 000. Et c'est 10 000 à 10 000, 5 000, 5 000, 5 000. C'est personne qui signe son bulletin, le bulletin c'est ah je ne vois pas derrière 5 000, Jérôme Lanchère à 5 000, la mère par Linamix à 5 000 euros, à 5 000 euros Nicolo et Julio Riva. Les deux frères Riva, qui sont à la tête du haras du Tenet. Ah voilà, Nicolo, il est à droite de l'écran, là. C'est le monsieur qui a plus de cheveux. Il a repris la direction du haras Tenet, succédant à son frère Giulio, qui l'a rejoint aujourd'hui pour faire l'acquisition à 12 000 euros du lot numéro 455. Un joli achat, hein. 12 000 euros, c'est quand même pas cher pour une fille de McPhee, nièce d'une gagnante de l'Eastud. 14 000 qui couvre l'enchère de 14 000 contre vous, Jérôme, à 14 000. À 14 000, le fils de My Boy Charlie, à 14 000. À 14 000, la mère par l'inami. La mère est la propre sœur d'Achalanda qui a gagné le Malray à 14 000. C'est le Haras de Saint-Faust là, qui nous présente ce 456. Jean-Pierre Olarieux, l'homme du Sud-Ouest. On parlait tout à l'heure du Sud-Ouest avec Thierry Dadalonga. Jean-Paul Larieux et son voisin du Haras de Saint-Faust, le frère de Gérard Larieux, chantier Bloodstock Agency. Mais tout ça, c'est une histoire de famille alors. Luc, je suis ton père. À 20 000 euros l'enchère, à 20 000 euros, plus vous Dominique, à 20 000 euros, à 20 000 euros, à 20 000, fini. Non, c'est un bon élevage, le Haras de Saint-Faust qui s'illustre notamment dans le monde de l'Arabie, hein, les choses arabes, mais aussi dans le monde du pur sang, la preuve. 20 000 euros donc pour ce fils de My Boy Charlie avec une mère par Linamix dont il a tiré la robe grise. Jérôme,
Le numéro 450. Famille de Achalanda, puisque la mère est une propre sœur de Achalanda. La gagnante du prix de Malraix, alors qu'elle était leader, entraînée par Jean-Claude Roger, elle était leader, elle avait été au bout. C'est trois vainqueurs, dont Nergal, gagnant 9 coups. Alors, le prix de le Haras de Grand Cran maintenant, qui nous présente une femelle de American Post. Demi-sœur de trois vainqueurs par American Post. 10 000. La mère Noémie. Et la sœur de Alips. Alips, elle a beaucoup donné, 12 victoires à 2 et 3 ans. Elle avait commencé dans les petits réclamés. Elle avait gagné beaucoup, beaucoup, beaucoup réclamés. Ah, le lot précédent a été racheté, les amis. Jean-Paul Larieux qui est là. Il n'a pas plus de cheveux que Nicolo Riva qui a signé le bulletin précédent. Ou que CPJ de Barbara. Ou que Alain Chopard. Donc j'en étais où? On va pas faire tous les chauves. Les courses. Attention, Arnaud Poirier est en train de chercher. Oui, parce que ça nous ramène à Charlie Whittingham. Charlie Whittingham dit l'aigle chauve. À 12 000 euros, la fille d'Américaine. Était l'entraîneur mythique. 14, la sœur de Nergal. Homme aux États-Unis qui a terminé sa carrière avec. 14 000, il était très vieux à l'époque déjà. Sunday Silence. C'était l'entraîneur de Sunday Silence. Le chauve le plus célèbre du monde des courses. Charles Whittingham. 16 000. On appelle la culture. Je t'ai cassé. Il n'y a pas, je t'ai cassé dans le truc là. 18 000, 20 000, voulez-vous? Sinon, il y a Arnaud Bédoué qui est devant nous qui n'est pas plus chevelu que le reste. Voulez-vous mettre 20 à 18 000 euros? On va le rajouter, Dilise. La sœur de Nergal, gagnante de Listel, à 18 000 euros. À 18 000 euros, Nergal qui a gagné 9 courses dans des Listel à 18 000 euros. Plus vous, Camille, à 18 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000. Plus vous, Laura, l'enchère à 20 000, 20 000 euros. À 20 000 euros, enchère par Camille maintenant. À 20 000 euros, contre vous, Laura, à 20 000. À 20 000 euros. Ardo, c'est une origine Sandor, ça? Non. Ah, bah oui, bien sûr, oui. Alip, c'était une Sandor. Hein. Après, elle a changé 2-3 fois de Kazakh. Elle a fini sa carrière de course chez la marquise de Morata. Là, qui l'a conservé Boulinière, a bien produit, en plus elle a fait 6 vainqueurs. À 20 000 euros, plus rien au-dessus de 20 000, bien vu, pas de regret. On a le juge. 20 000 Camille. Numéro 458, présenté par le rat de Grand Camp, Ayabusawan, c'est un malalzan brûlé né le 2 mai par Siyuni et Northern Ocean. Une mère par Grintune, de la famille de Tapponwood, un fils de Siyuni. Combien offre-t-on pour le fils de Siyuni? 10 000 voulez-vous? 10 000? 5 000? 5 000 le fils de Siyuni? À 5 000, à 5 000, à 5 000, mettez plus cher. À 5 000 euros, à 5 000 euros, poulain de Siyuni, à 5 000, à 5 000 euros, allons-y! À 5 000 euros l'enchère, oui, 5 000, 5 000, Laura l'enchère à 5 000, à 5 000, à 5 000, qui compte? 6 000, 6 000, 6 000, 8 000, 8 000, 8 000, à 8 000, Guillaume l'enchère à 8 000, à 8 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, plus vous, Guillaume l'enchère à 10 000, à 10 000 euros, c'est Camille, à 10 000, à 10 000, à 10 000 euros, à 10 000, 12, 12, 12. 12 000, 12 000, 12 000, 12 000, 12 000, 12 000, 12 000, 12 000, 12 000, 12 000, 15, 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 ou à 15 000 euros, à 15 000 euros, à 15 000, à 15 000, à 15 000, à 16, 16, 16 000, à 16 000, 16 000, 16 000, 16 000, 16 000, plus vous, 18, 18. Sunday Break, un des deux nouveaux arrivants du haras du Lion d'Angers, provient justement du haras de Grand Camp, le haras de Grand Camp, qui nous présente ce 458 Ayabusawan, une fille de Siyuni, tandis que je vous signale que le signataire du lot précédent qui était également présenté par le haras de Grand Camp, c'est-à-dire Noëlla, le 457, a été signé, donc le bulletin a été signé par Julian Hintz du haras du logis. 25 000 qui court, de 25 000 pour le fils de Siyuni, 26 maintenant. 26 fils de Siyuni, premier étalon de 2 ans en France. 26 000, à 26 000, le fils de Siyuni à 26 000. À 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, mettez 30 à 28 000. À 28 000, vous le perdez à 28 000. Et un neveu de Miss Carmi. C'est qui Miss Carmi? Excellente art, c'était passé dans le prix de la grotte. Et elle est désormais poulinière chez Richard Poel, au haras du Vieux des Champs. L'homme qui a vendu pour 270 000 euros. Lundi, le deuxième top price de la journée. C'est bien lui. Et de la vente, oui, tout court. Carmi, pardon, a été saillir à Peggy Speaking cette année. À 34 000, à 34 000, à 34 000, 36 36 36 000, 36 000, à 36 000. De l'autre côté de la route, au Radio Gnet, dans la vallée de la vie. À 36 000, à 36 000 euros, à 36 000 euros, qui court chez le 36 000 pour le fils de Siyuni, à 36 000, à 36 000, à 36 000 euros l'enchère, à 36 000 euros, c'est bien vu, à 36 000, fini,
à 36 000, qui couvre l'enchaînement de 36 000, c'est 38, 38 000, 38 000, mettez 40 maintenant, 40, 40 000, à 40 000, à 40 000, à 40 000, à 40 000 euros, à 40 000 euros, qui couvre l'enchaînement de 40 000 pour le fils de Siyuni, à 40 000, à 40 000, à 40 000 euros, c'est bien vu, pas de regret, à 42, 2, 42, 42 000, 45 000, 45 000, 45 000, 45 000, à 45 000, à 45 000, à 45 000, 45 000, 45 000, qui couvre l'enchaînement de 45 000, à 45 000, votre enchère Laura, à 45 000, le fils de Siyuni, à 45 000, c'est bien vu, pas de regret nulle part, à 45 000, à 45 000 euros, on va être jugé, à 45 000 euros, c'est bien vu, pas de regret nulle part, à 45 000 euros, rien au-dessus de 45 000. Bon, Siyuni, hein, c'est un peu comme Ken d'argent, le Havre, ça fait vendre, tant mieux. 45 000, Laura. Ça faisait des lustres qu'on disait qu'en France, il n'y avait pas un étalon qui pouvait faire vendre des poulains sur un ring de Deauville. Et bien, maintenant, ce n'est plus vrai. Pas un étalon dans le parc étalon français, bien sûr. Mais plus juste, puisqu'il y a au moins le Havre, le trio magique Le Havre, Siyuni et Ken d'argent. Combien faut-on ? Beaucoup de black tag dans la famille. Là, je ne vous parle que des plus jeunes. 10 000, 10 000, 10 000, 5 000 pour débuter, 5 000, le fils de dictat à 5 000, qui offre 5 000, 5 000 euros pour débuter, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, qui offre 5 000 pour débuter, le fils de dictat à 5 000, 3 000, voulez-vous 3 000 ? Alors, le Haras des Faunes nous propose un fils de dictat, il s'appelle Waran, le Haras des Faunes, c'est Alain Chopard, Bordeaux. Dictat fait la monte au Haras des Ad Milagro en Espagne. À 3 000 euros, à 3 000 euros, qui offre 3 000, à 3 000 euros l'enchère, à 3 000, le fils de dictat, la mère par Mr. Greeley, à 3 000 euros. Dictat, il fait plus la monte aujourd'hui parce qu'il a été pensionné, il est mis en retraite. C'est un très beau poulain de Dictat. Enfin, il est très signé Dictat. Hein. C'est le portrait craché du père. La mère Nouvelle Eddy est par Mister Grillet. 4 000 qui couvre de 4 000 à 4 000. On a qu'à de l'os, mais il part pas. Hein. 4 000 qui couvre de 4 000 à 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, Guillaume. Sa sœur, la Caradac, âgée de 2 ans, avait été achetée par Anthony Ford. Vous avez vendu des ânes Milagro ? Non, puisque ce poulain-là a été élevé, tout comme la Caradac et la Dictat, a été élevé par Christophe Jouandou. Elle n'a pas eu de foal, la mère, en 2014, elle est pleine de Never on Sunday. Bien vu par le Grenon à 6 000, à 6 000 euros, le fils de Dictat. C'est un bon étalon, Dictat. Hein. À 8 000 euros. Voilà le juge. Canada depuis l'apparition du catalogue. La mère est gagnante de Liston à 2 ans. Pouliche d'American Post, demi-sœur de 3 vainqueurs de la famille de Northern Quest. Allons-y, la fille d'American Post à 10 000, 5 000, 5 000, 5 000, qui offre 5 000 pour débuter. 5 000 euros, demi-sœur de 3 vainqueurs, mère gagnante de Liston à 2 ans. 3 000 alors pour débuter, allons-y, 3 000, 3 000, qui offre 3 000, 3 000, oui, oh là là, ça se réveille là. 3 000, Camille, allez, 3 000 qui couvre l'enchère de 3 000 à 3 000 à 3 000 à 3 000. Numéricable ? On va vouloir à l'enchère à 3 000 à 3 000, c'est Camille à 3 000 à 3 000. Numérius, ça a été, alors Numérius, c'était un cas particulier parce que c'était une Jean-Pierre Dubois qui a gagné l'Istud ici, le prix de la Vallée d'Auge à 2 ans, à Deauville, pour ça que je disais ici, alors que Numérius venait d'arriver étalon en France. Enfin, pas longtemps, c'était ses premières productions françaises. Tiens, c'est qui a signé le bulletin précédent? J'ai aperçu, mais... Conmarnay, oui. Et donc, il a donné un coup de fouet à Numérius, le père de mère. Mais après, ça s'est calmé, parce que Numérius, il a fini par décevoir. 16 000 euros, 16 000, 16 000, 16 000, 18 000, 18 000, 18 000, 20 000, 20 000, 20 000. Par contre, c'est une belle famille. Numérius, donc, était précoce, elle a bien produit. Hein.
Trois vainqueurs déjà. À 22 000, à 22 000, la fille d'American Post à 22 000, à 22 000. C'est une belle souche, hein. Northern Quest, Northern Glory, Northern Goddess, des chevaux de course. 25 000, 25 000, 25 000, 25 000, à 25 000, à 25 000 euros, à 25 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, à 28 000. Pouichla, elle a été élevée par Dream With Me Stables. C'est-à-dire Jean-Pierre Dubois. C'est-à-dire Jean-Pierre Dubois. Pas vous, Audrey, à 32 000, 35 000, 35 000, 35 000, 35 000. Il a visiblement encore toujours la mère. Cette année, je vais vous dire cette suite. 38 000, à 38 000, la fille d'American Post à 38 000. La mère Numérius a mis au monde d'une femelle de Sageburg. À 38 000, et pas vous Audrey, à 38 000, 40 000, 40 000, c'est elle a déjà donné trois produits vainqueurs. 42 000, dans Naïma, une fille de Tomahawk. 45 000, je viens de regarder à l'instant, c'était un fils de Seattle Slough, qui a fait carrière en Irlande chez Aiden O'Brien, vainqueur de l'Istud et double placé de groupe 1 à l'âge de 2 ans. Tomahawk, c'est ce qu'on a le matin en se levant la tête ici à Deauville des fois. C'est ça, pas vous Grégoire, à 50 000, et Audrey non plus. 2, 51. 2. 52 000 l'enchère à 52 000, c'est bien vu, Padre Grénon. À 52 000, on peut adjuger, fini là-bas. À 52 000. On adjuge. 52 000, Dominique. Allez, 52 000, très beau tarif, hein. On n'a pas fini, hein. C'est parce qu'il nous reste encore quoi, une vingtaine de lots, mais alors 52 000. C'est une pouliche alsacienne née le 24 mars par Martin. Pour la American Post. American Post qui va venir étalon dans l'Ouest, normalement, je crois, au Haras du Grand Chenet, je crois, si je ne m'abuse. Donc il faut qu'on vérifie ça la semaine prochaine, tiens. Parce que là, il y a le mercato des étalons où ça part un peu dans... Ça flamboie un peu, là, donc on va faire le bilan la semaine prochaine. Il y a déjà beaucoup, beaucoup d'infos qui sont arrivées. Là, vous le voyez, vous pouvez le voir sur Francir. 10 000, Camille, c'est votre enchère, 10 à 10 000. 12, 12 000, 12 000, nous sommes à 12, à 12 000, Solène. 12, à 12 000, Solène, l'enchère, 12, à 12 000, vous êtes 12, Solène, l'enchère, 12. À 12 000 euros, à 12 000, 12. À 12, 15, 15 000, 15 000 euros, 15 à 15 000, 15. À 15, 18, 18 000, on est à 18, à 18. Et alors l'acheteur L'acheteur, c'est le roi du burger et je suis en train de rechercher son nom. L'enchère à 18, 18 000. C'est lui le roi du burger. Oui, c'est lui le roi du burger. L'acheteur est le roi du burger. On va vous le montrer. À 20 000 euros, à 20 000 euros, à 20 000 euros, l'enchère à 20 000, suivons 20 à 20 000, à 20 000, à 20 000 euros seulement à 20 000, bien vu, à 20 000 euros seulement à 20 000, merci, à 20 000 euros, dernière fois à 20 000, on va juger à 20 000, pas de regret nulle part, à 20 000, bien vu, à 20 000 euros, fini, à 20 000 euros, dernière chance à 20 000, à 20 000 euros, pas de regret nulle part, à 20 000 euros, bien vu. Le voilà le roi du burger, à côté d'Éric Purari, le vendeur. Le roi du burger, c'est le monsieur qui a une barbe de 4 jours et qui s'appelle... Guillaume, merci. Et qui s'appelle, j'avais toujours pas trouvé. Ah, tu l'as interviewé... Oui, en août. Mais oui. C'est une pouliche B et non... Monsieur très sympa. Comme indiqué au catalogue. Ah, il s'appelle Monsieur très sympa, Gérard très sympa. Mars par Soldier of Fortune et Our Dreams. Voilà. Qui avait acheté pour 140 000 euros une fille d'Aïcha Parl. Et Amonita. Fille de Soldier of Fortune, la mère Verglas, premier produit effectivement d'une jeune mère par Verglas. Combien frotteront pour débuter? 5 000 qui m'appelle à 5, à 5 000, à 5 000, 5 000 c'est pris. À 5 000 euros, 5, à 5 000, à 5 000, à 5 000, à 5 000, suivons 5, à 5 000. À 5 000 euros, 5, 8, 8 000, 8 000 euros, 8 à 8 000, à 8 000. À 8 000, l'enchère 8 à 8 000, à 8 000, à 8 000 euros, à 8 000 euros, à 8 000 euros, l'enchère à 8 000, à 8 000, suivons 8 à 8 000. 8 000. Qui m'appelle? À 8 000. Alors une Martaline. À 8 000, j'ai à 8, à 8 000, à 8 000, à 8 000 euros. C'est vendu 20 000 euros. Martaline, qu'on a plus l'habitude de voir dans le registre de l'obstacle, bien sûr. Martaline, qui est l'étalon star du Hara, de la Remboursière et du Montaigu. C'est la monte aux côtés de... À 9 000 euros, merci. À 9 000 euros, bien vu. À 9 de Literato et de Norris Cato. Pardon, je crie trop fort. Et de Norris Cato. À 10 000 euros. À Arnaud, quand on demande à l'Internet. Ah, l'Internet. Il nous trouve tout. À 10 000 à droite, à 10 000. Le roi du burger s'appelle Steve Burkraff. Ah. À 10 000.
Pardon Bernard. Moi, il y a personne qui a dit. Mais quoi, c'est le petit-neveu de Ronald McDonald ou quoi? Non, c'est beaucoup plus. Ses références sont beaucoup plus qualitatives que McDonald. À 10 000 euros, bien vu. À 10 000 euros, dernière fois à 10 000. À 10 000 euros, j'ai à 10 000. À 10 000 euros, le marteau se lève à 10 000. À 10 000 euros, Solène Plunou, bien vu, une mer verglas. À 10 000 euros, dernière fois. À 10 000 euros, fini. À 10 000 euros, on l'a juge. Numéro 463, présenté par l'élevage Marquise de Moratala. Cambria, c'est une pouliche noire née le 12 mai par Astronomer Royal et Paper Profits. Tiens, petit-fils, une petite fille de Kendor. Ah, Kendor, oui, présenté par l'élevage de la Marquise de Moratala, Cambria, qui est née tard, le 12 mai. La mère par Kendor. Va rentrer sur le ring. C'est une fille de Astronomer Royal. 5 000 euros, 5 à 5 000, j'ai à 5 000, qui couvre l'enchère 5 à 5 000, 5 000 euros, 5 à 5 000. Ça y est, rentrer sur le ring quand même. 5 000 euros, pour cette sœur de double look. À 5 000 euros, l'enchère à 5 000. Prometteur 2 ans double look. 5 à 5 000. Lancé par Didier Guimin. À 5 000 euros, qui prend le relais de 5 à 5 000, dernier. Astronomer Royal qui faisait la monte au Hara de la Reboursière et de Montaigu, l'occasion pour nous de vous dire que l'an prochain, Norris Cattle reste, bien sûr, au Hara de la Reboursière et Montaigu pour voir les nouvelles photos de Norris Cattle qui ont été mises en ligne tout récemment, la semaine dernière. Vous pouvez vous rendre sur la page de Norris Cattle en cliquant sur le lien à droite du player. 10 000 euros, la sœur de Double Look à 10 000. À 10 000 euros, bien vu à 10 000. Mère par Kendor. 10 000 euros, plus nous l'aura, ni Audrey. À 10 000 euros, bien vu, à 10 000, vous avez vu. À 10 000 euros, merci. À 10 000 euros, bien vu. Dernière fois, dernière chance. À 10 000 euros, pas de regret. À 10 000 euros, on la juge. 10 000, Guillaume, merci. Le numéro 464, présenté par le Rat des Capucines, c'est un mâle né le 15 mars. Est-ce que les nouvelles photos de Literato ont été mises en ligne aussi? Également, bien sûr. Et les nouvelles photos de Martaline également. Il y a les nouvelles photos de Feel Like Dancing aussi qui sont en ligne. Et il manque, il y a encore quelques photos de Soav, je crois, à mettre en ligne. Un fils de Zanzibar. Entre... Oh là là, mais c'est quoi ce monstre? Darwin Fox, Grace Lady d'Odropa. Bah, c'est un cheval d'Ostac. Regarde un peu le modèle que c'est. Regardez-moi ce géant. Bah, c'est vrai qu'en plus. Il a un frère, Darwin Fox, qui a gagné en obstacle à très bon niveau, parce qu'il a gagné groupe 3. Mais il a aussi une sœur qui a gagné groupe 3, le groupe 2, le prix Corrida, Grèce, Lady Mutatir. Un poulain avec du physique, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Zanzibari, c'est un étalon, c'est un petit cheval, 1m61, il produit bien, mais c'est un cheval dont on veut pour la précocité et la vitesse, hein. Chacun son sport, on va dire. Mais alors, qu'est-ce que c'est? C'est un géant. Un gentil géant, j'espère, bien sûr. Zanzibari, dans les premiers produits, ont 2 ans cette année. C'est le père de Thank You Bye Bye, placé du prix d'Omale. À 6 000 euros, suivons à 6, à 6 000, à 6, à 6 000 euros. C'est le père de Black Tie pour sa première génération. À 8 000 euros, encore à 8 000, une mère qui produit à 8 000 euros. Dans les deux. Quel cheval, quel poulain, bah dis donc. 9 000, 10 000. On a parlé tout à l'heure, on est tombé en arrêt devant le loup breton tout à l'heure, et là. Un morceau. 12 000, Guillaume, à 12 000. Parcelle dessous. À 12 000, j'ai 14. Parcelle dessous, la mère est une fille de Hdaït. Des talons assez peu connus. À 14 000 euros. Qui a fait la monte au Hara dessous. Hara dessous, qui est dirigé par Gilles de Roubaix. 15, 16, si vous voulez. 18 à 18 000, vous êtes. Et parcelle dessous qui a été coélevée par Gilles de Roubaix et également par Nicolas Madamé. Puisque parcelle colorée, la deuxième mère, a été une des premières polymères de Nicolas Madamé. À découvrir sur France Cire, évidemment. À 20 000, suivons 20 000. L'élevage de Cécile et Nicolas Madamé se sont illustrés cette année avec Gélou Ronny, ce fils d'Antarctique, qui est un oncle de ce poulain. 22, vous êtes 2.
à 22 000 solennes. À 22 000 solennes, à 22 000 solennes, l'enchère à 22, à 22 000 euros, à 22 000 euros, solennes, l'enchère 23, 23 000, il a dit 23, 23 000, 23 000, l'enchère à 23, 23 000, 23 000, j'ai maintenant à 23, 23, à 23 000 euros, à 23 000 euros, plus nous, solennes. Plus en haut, c'est en bas. 24, 24 000 en haut. À 24 000 en haut, l'enchère. Et cette année, la mère par ses-dessous a eu un mal de demi-tatir pour le compte de Jean-Philippe Dubois, 25 000, 25 000 qui avait déjà élevé Grace Lady par mutatir. Par mutatir également, pour répéter le croisement. À 25 000 euros, 26, 26 000. 26 000, j'ai maintenant à 26, 26. À 26 000 maintenant, l'enchère. À 26 000, 7, 27 000. 27 000 au téléphone, à 27, 27. À 27 000 euros. J'ai maintenant à 27 000, merci. À 27 000, bien vu. À 27 000, en bas l'enchère. À 27 000, merci. À 27 000 euros. On la juge. Enchère au téléphone, 27 000, merci. Le numéro 465, présenté par le Haras des Longs, c'est au une téléphone de le 28 mars par Hans Altager et Paré. Ne serait-ce pas Freddy Powell. Freddy Powell, qui est le représentant en Angleterre de Arcana, donc il doit avoir un client anglais. Deux ans, le soldier en fortune s'est placé à deux reprises. Donc, enfin, en tout cas, c'est le but de l'opération. Une des meilleures coupes. Le 465 is the daughter of Old Dead Tiger. Ah, pardon, on est en France. Une fille de Old Dead Tiger. Of the late Old Dead Tiger. The late. Ah oui, je dis souvent former. And the late Old Dead Tiger. Luc, je suis ton père. Et voilà, qui est mort. 5 à 5 000, à 5 000, de Storm, à 5 000 euros, à 5 à 5 000. C'est encore illustré hier, à 5 000, à 3 000, à 3 000 euros. Avec une gagnante, c'est Carla Béré, la sœur de Conaron. À 3 000, à 3 000 euros, à 3 000, à 3 000 euros. Avec Don Bosco, Vodkato et Orcus. Il débute à 3 000, à 3 000, à 3 000 euros, à 3 000, à 3 000, à 3 000 euros. Arnaud, est-ce qu'il est enchère à 3 000 ou pas? Bien sûr, maintenant. À 3 000 euros, qui m'appelle à 3 000, mettez vos enchères 3, 3 000, j'ai à 3 000, à 3 000 euros, à 3 000 euros, à 3 000 euros. L'enchère à 3 000, merci à 3 000, bien vu à 3 000, à 3 000 euros, pas de regret nulle part à 3 000, à 3 000 euros, fini à 3 000, à 3 000 euros, dernière fois. Mère et par Desert Prince. À 3 000 euros, Solène, à 3 000 euros, merci. Et Talon qui est arrivé cette année au Haras du Télé, Desert Prince. À 3 000 euros, merci, à 3 000 euros, on la juge. 3 000, Solène, merci. Présenté par le Haras de la Haineuve, DS Béré, c'est une pouliche bénée le 17 février par All That Tiger. Et parti. De nouveau All That Tiger, toujours mort. Celle à Béré compte une place en 3 sorties à 2 ans. Pas changé depuis tout à l'heure. Non, la mère, elle est par Spectrum. De Chancelier, pardon. C'est la famille de Zagora. Zagora. Magnifique Zagora. Et elle ressemble beaucoup d'ailleurs. Asmar, combien? Ouais, elle était déjà 5, assez. Oh, elle est racing like, elle est racing like. Elle est racing like. Racheté Arnaud Lo. Oh bah oui, non bah ouais. 6 000, on va tirer de la réunion. 8 à 8, à 8 000. À 8 000 euros, la sœur de Chancelier, 8 à 8 000. À 8 000 euros, à 8, 10, 10 000. À 10 000 euros, 10 à 10 000. À 10 000. Là, c'est plus la même bière. Hein. À 10 000 euros, la sœur de Chancelier, à 10 000. Et c'est la sœur de Chancelier. Hein. Bien vu, à 10 000. Le premier gagnant de Pertint. Guillaume Lanchère, à 10 000. Élevé également par le Haras de la Haineuve. Pourquoi Chancelier ne porte pas le suffixe Béré? À 11 000 euros, Laura, votre enchère. Il portait ce suffixe-là, ouais. Et puis il a été acheté par Jean-Claude Rouget. Ouais. À 12 000, vous êtes renomme souvent les. À 12 000, souvent, non. Les Béré, alors lui, il ne veut pas avoir de suffixe, donc il renomme systématiquement les produits qu'il achète dans l'élevage de la Haineuve. Et il achète beaucoup. Et il en achète beaucoup. Ah oui, il aime bien. À 13 000, Laura, l'enchère. Coolmorstad Bretagne. Le voilà, Coolmorstad Bretagne. Ah, à l'araignée. À l'araignée. À 13 000 euros, dernière fois à 13. Bravo. 13 000 euros, bien vu à 13. Ah, on est sur le coup, hein. On peut être jugé 13. Lisa Lopé, maman, qui a repris l'antenne. À 13 000 euros, bien vu. À 13 000 euros, on la juge. Laura, 13, merci. Le numéro 465. Ouais, qui a acheté? Par le Radiologie Saint-Germain, c'est une pouliche noire pangarée née le 13 février par Soldier of Fortune et Pavlovna. C'est en face, Arnaud. La mère par Singspiel est une demi-sœur de Récital, Corey Caminos, Ressinger. Combien en frottons pour débuter? Elle a déjà produit deux bons vainqueurs. Combien en frottons? 5, 5 000, 5 000 euros, 5 000, 5 Charles Gourdin, 5 000 euros, qui discute 5 000 avec euros, Alain Régnier. Belle famille, 5 000, alors, 5 000 euros, 5. C'est 5 un achat 000, ou un rachat? 5 000 euros, c'est 5, Charles Gourdin. 5 000, c'est Charles Gourdin, voilà, on l'entraîneur. À gauche, pardon. 5, ah ben voilà, parfait. 5, Charles Gourdin, l'entraîneur, 5, le nouvel entraîneur de Wood Hazard Board. À 5 000, à 3 000, à 3 000, à 3 000 euros, l'enchère à 3 000, à 3 000, à 3 000, à 3 000, à 3 000.
3000, entraîneur 3000, l'enchère, émérite 3000, à 3000, la Thèse Pau ou Mont-de-Marsan à 3000 euros, bien vu, à 3000, je sais bien, fois, enfin dans le sud-ouest en tout cas, 3000 euros, dernière fois, entraîneur 3000, de Dupontal également, à 3000 euros, bien vu, à 3000 euros, vous êtes Grégoire, merci de votre enchère, à 3000 euros, la nièce de Récital Corey Caminos Racinger, my god, 3000 euros, dernière fois, 3000, Grégoire l'enchère, à 3000 euros, le marteau peut se lever à 3000, belle famille ici, à 3000 euros, bien vu, à 3000 euros, merci, à 3000 euros, pas de regret, 4000, vous êtes 4 à 4000, à 4000, à 4000, à 4000, à 4000, maintenant encore à 4, à 4000. Tiens, j'en profite 4, pour vous dire que dernière fois, 4, si vous parrainez à 4000 euros, bien vu, à 4, un de vos voisins a mis pour une page d'élevage, une page d'étalon, etc., 5000 euros, 5, eh ben, vous aurez un mois d'abonnement supplémentaire gratuit. À 5000, vous êtes 5 à 5000, à 5, à 5000 euros, à 5, à 5000, à 5, à 5000 euros, à 5, à 5000. C'est bien. À 5000 euros, bien. C'est très bien, même d'ailleurs. D'ailleurs, le lot suivant, le 468. À 5000 euros, fini. À 5000 euros, dernière fois. J'ai dit ça puisqu'on va sans doute passer au solo, à solo 468. Oui, c'est bon. On la juge. 5000, merci. Et il est présenté par le Hara du Mézeray qui est déjà présent sur Francir et qui, oui, pourquoi pas, va parrainer Sylviane Guitard qui est l'éleveuse de Solo 468. Ah, Sylviane. For welcoming her on fansaya.com. Yes. Le propre frère est gagnant à 2 ans, dernier lieu pour ses débuts. La mère est une demi-sœur, une trois-quarts-sœur, dirais même, de quête d'argent. Combien faut-on pour débuter ? Diamond Green et 3 quarts d'heure de quête d'argent, combien débute-t-on ? 5 000 euros, la mère gagnante, le premier produit vient de s'imposer pour ses débuts à 2 ans, 5 000. Et ouais, Diamond Green, c'est un produit de Diamond Green qui est ici. C'est un sacré étalon, Diamond Green, hein. Il fait des débuts, il fait un carton pour débuter. Enfin, pour débuter en France, parce qu'il a déjà une production qu'on connaît à l'international lorsqu'il a issu de ses premières actions en tant qu'étalon en Irlande et puis il est arrivé au Ras des Grands Jeux il y a 3 ans. Les premiers 2 ans français, donc, courent actuellement déjà 7 vainqueurs individuel, deuxième paire de 2 ans en France. Derrière, l'inapprochable Siyoni. Et Damon Green, donc, est le père de Solo 468. Avec mère Paxmina, qui est la sœur de Ken d'Argent. La mère Paxmina est une fille Keltos, elle avait été entraînée par Michel Roussel. Je me demande s'il n'y a pas... Je demande, il y a Mathieu Daguzan-Garros qui est autour du ring, je me demande s'il n'est pas en train d'essayer de racheter le jument pour lui. Parce que c'est pas lui qui la présente, hein. Il l'a plus, hein. La mère Paxmina, elle est plus à lui. Elle est à Sylviane Guitard. D'ailleurs, le premier produit de Paxmina qui s'appelle Green Silver, un update très important, est déjà un fils de Diamond Green et est à l'entraînement chez Christophe Ferland et il compte une sortie en sortie et une victoire surtout. Gagnant débutant. Sur 1600 mètres à Bordeaux le 7 octobre dernier. Le voilà, Mathieu Daguzan-Garros qui est au téléphone. Ouais, parce que Mathieu Daguzan-Garros, c'est l'éleveur de Ken d'Argent. Et oui. Donc on ne doute pas un instant qu'il pourrait peut-être être intéressé par. Ou alors il travaille. Enfin, je sais pas. Enfin, en tout cas, il est très intéressé, hein, du juste titre. Hein. Il est propriétaire de l'étalon. Éleveur du célèbre oncle Ken d'Argent. Pas de regret, Solène, à 17. À 17 000, merci. Pas de regret, Grégoire. À 17 000, j'ai. À 17 000, dernière fois, 18. On y revient à 18 000. À 18, j'ai maintenant à 18. Bien vu. À 18, on peut être jugé à 18. Pas de regret. C'est lui qui est actuellement l'enchère. Merci. À 18 000, 19. 19 000, 19. Vous êtes à 19. 19. À 19 000, j'ai maintenant à 19 000. Fini. À 19 000, merci. À 19 000, pas de regret. À 19, 20, voulez-vous, Grégoire. À 19 000, 20, voulez-vous, Grégoire. À 20 000, j'ai. À 20 000, et nous vendons à 20 000. Merci, à 20 000. À 20 000 euros. À 20 000 euros, dernière chance. Merci, Solène, de votre aide. À 20 000 euros, pas de regret. À 20 000 euros. 21 000 euros. Qui est en face ? 21 000, pas là. À 22. À 22 000, j'ai. Okay, bon. À 22, nous sommes maintenant à 22. Pardon ? Il y a l'équipe du Mézeray. À 22 000, merci. À 22 000, bien vu. 23, il y a Michel Delaunay et Christophe Loutou qui ont gagné le quintet aujourd'hui. 23. Qui sont juste devant Guillaume, là. Grégoire l'enchère à 23 000. À 23 dernières. Il y a Mathieu Daguzan-Garros. À 23 000 euros. À 24, 24 000. 24 000, j'ai maintenant à 24. 24. À 24 000, Grégoire l'enchère à 24 000. L'enchère à 24, merci. Je me demande si c'est pas Paul Basquin aussi qui est dessus. Il y a Christophe Ferland qui est là. Mais ils ont des. 25 000, vous êtes maintenant à 25. Ça s'excite un peu là.
sœur d'un vainqueur pour ses débuts à 25 000. À 25 Christophe 000 Ferland qui entraîne le, donc le frère et ah oui, de 2 ans, Green Silver. 6, 26 000, 26 000, 28, 28 000, 28 000, j'ai maintenant Christophe Ferland qui a perdu l'enchère actuellement. 28 000, Grégoire, l'enchère à 28, 28, à 28 000, dernière chance à 28, fini, à 28 000, merci, je vous laisse faire Grégoire, c'est entre vous, à 28 000 euros, le marteau peut se lever à 28, à 28 000 euros, merci, à 28 000 euros... Ouh, il était temps, il en a mis une. Christophe Ferland fait un clin d'œil. Ouais. À 30 000, Grégoire. À 30 000. À 30 000, la dame Grimm à 30 000. Là, les deux enchérisseurs là, sont seulement allez, quoi, 3 mètres. Euros, à oui, des cas. Alors, qui est contre, Christophe maintenant là euros, merci. Est-ce qu'on a toujours Mathieu Daguzan 2 T1. 31 000. Garros ou alors Paul Basquin, c'est un combat du sud-ouest. Ils sont tous les deux à 2 mètres, tous les deux ou 3 à 3 mètres d'intervalle. C'est vrai que c'est assez amusant. 31 000 dernière fois maintenant à 31, Grégoire, fini. Alors est-ce que Christophe Ferland va en mettre une à 31 000 euros. Mathieu qui regarde Christophe. On l'a dû. 31 000, Grégoire, merci. Le numéro 469, présenté par le Rat des Capucines, Peace of Baroque, c'est un Malbène et le 5 mars. Alors, donc Christophe Ferland n'a pas réussi à remporter l'enchère. Alors, le vainqueur de l'enchère, est-ce Paul Basquin du Rat de Oui, c'est ça, Paul Basquin du Rat de Sebouas. Paul Basquin du Rat de Sebouas, que va nous montrer Lise sans doute dans quelques instants, et Anne-Lise. Le voilà. Le voilà. Avec Mathieu Daguzan. Voilà. Il mettait des enchères, Mathieu Daguzan, et Christophe Ferland, il est juste à côté, là. Hop, non, il s'éloigne, là. 3000, Solène, 3000, désolé, 3000, 3000 euros, 3000 euros, 3000 euros, l'enchère à 3000. Voilà, encore un super résultat aux ventes pour Diamond Green. À 3000 euros. Alors maintenant, on va passer à un fils de Sedgeburg. Alors, c'est amusant, Sedgeburg, parce que il y a deux ans, il y a eu le feu dans Sedgeburg. Tout le monde en voulait l'année dernière aussi. 6000, c'est Grégoire. Le prix de ça y est augmenté, etc. Il avait sorti d'entrée de jeu Pittsburgh, gagnante de groupe. La tante, d'ailleurs, de ce poulain-là. Voilà, c'était en 2012, oui, voilà. Tout à fait. Alors maintenant, est-ce qu'il y a toujours autant le feu dans Sedgeburg? Non, parce que vous savez, les modes, elles passent et elles trépassent également. Mais il n'empêche que Sedgeburg s'est illustré l'année dernière avec Allée Colombière, la vedette des AQPS, vendue 300 000 euros ici après sa victoire dans le prix Jacques de Vienne. Au 22 novembre, c'est Bernard Stoffel là, qui a mis l'enchère. Le docteur Bernard Stoffel, le Belge. Oui. J'ai 12 000, Audrey, à 12 000, 14, à 12 000, 14, voulez-vous, j'ai 12 000 par Audrey, à 12 000, à 12 000 euros, à 12 000 euros, à 12, 14, j'ai par ailleurs, à 14 000, 14 000, nous sommes à 14, à 14 000, Audrey, à nouveau, vous êtes deux, Audrey, à 14 000, à 14 000, à 14 000, Audrey, l'enchère à 14, 14, à 14 000 euros, à 14, bien vu, à 14, merci, à 14, dernière fois, à 14, 16, 16 000, 16 000, Guillaume, à 16, à 16 000, à 16 000, plus nouveau, Audrey, à 16, à 16 000, à 16 000 euros, à 16, à 16 000, à 16, à 16 000, dernière fois, à 16 000, dernière chance, à 16 000, 16, 17, 17 000, 17 000 euros, à 17, à 17 000, à 17 000 euros, l'enchère à 17, à 17 000 euros, vous êtes à 17, merci, à 17, bien vu, à 17, bien vu, fini, 18, 18 000, à 18 000, 18, vous êtes l'enchère à 18 000, à 18, à 18 000 euros, à 18 000 euros, nous sommes à 18, à 18 000 euros, on peut être jugé à 18 000, 10, 19 000, 19 000, 20 voulez-vous, à 19 000, 20 voulez-vous, à 19 000, 20 voulez-vous maintenant, à 19 000, à 19 000, merci, à 19, à 19 000, bien vu, à 19, à 19 000, on peut être jugé à 19, pas de regret, à 19, à 19 000, merci, à 19 000, bien vu, à 19 000, on l'a jugé, 19, Audrey, merci. Le numéro 470, présenté par le Rat des Capucines, Peace on the City. C'est exactement le même pédigré. 12 avril, par Elusive City et Peace. C'est une victoire supplémentaire en obstacle. Pourquoi le même pédigré? Parce que la grand-mère est identique, oui. L'apparition du catalogue. La même grand-mère est identique. Elusive City, une mère dynamique, une mère qui a produit 3 vainqueurs, combien en faut-on pour débuter? Famille de Pittsburgh également, l'Elusive City, combien en faut-on?
5 000, Elusive City, 5 à 5 000, 5 000 euros, 5, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000 qui m'appellent à 5, à 5 000, 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 qui m'appellent à 5, à 5 000, à 5, à 5 000 euros, j'ai à 5 000. À Pittsburgh, c'était pas un château, hein. 5 000, à 5, à 5 000 euros, suivons, 5, à 5 000, à 5, à 5 000 euros qui prend le relais de 5, à 5 000, Elusive City, à 5 000, à 5 000, une mère dynamique, à 5 000, 5, 6, 6 000, 8, 8 000, 8 000, vous êtes à 8, à 8 000, Elusive City, 8, à 8 000. À 8 000, 10, 10 000, 10 000, vous êtes l'enchère à 10 000, 10 000, à 10 000, l'enchère 10, à 10 000, à 10 000. Plus que 14 lots. Merci à 10 000, bien vu à 10. Bientôt l'heure d'aller chez Hervé. Pas de regret, 10 à 10 000, à 10 000 euros, on peut être... 20 heures, une intelligente. À 10 000 euros, dernière fois, à 10 000, bien vu, à 10 000, fini, à 10 000, on va finir vers ces... Voilà, la meilleure heure de la journée, 20 heures. On va être jugé à 10, à 10 000 euros, fini, merci, à 10, 11, 11 000, 11 000, vous êtes à 11, à 11 000, à 11 000 qui m'appelle 12. On a encore le Havre tout à l'heure. Le Havre avec une mer. Oh pépé, oh pépé Gilles. À 12 000, merci à 12, à 12 000. Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer. À 12 000, Audrey. À 12 000, 13. Toujours avec une fille à son côté, un pépé. 13, 14, voulez-vous. À 13 000. Bah, la question, c'est de savoir si c'est lui qui attire les filles ou c'est les filles qui l'attirent. À 14 000, plus Jérôme. À 14 000, ici. À 14 000, nous sommes maintenant les lutins. Si elle s'y rapproche de lui ou c'est lui qui s'en rapproche, quoi. À 14 000, merci. À 14 000, Audrey, l'enchère à 14 et on va être jugé à 14 000 euros. Pas de regret. Ah, je taquine le pépé. À 14 000, bien. Bien vu. À très grand professionnel, excellent journaliste. On la juge, Audrey 14. Avec une culture fantastique. Le numéro 471, présenté par... Donc Zanzibari, cette fois-ci, on y est... Alors, est-ce qu'on a encore un géant? Tout à l'heure, on a eu un gentil géant par Zanzibari. Cette fois-ci, on va trouver un mâle de Zanzibari, donc présenté par le Radicap ici. Zanzibari, la mère polyglotte, la mère est gagnante en plat et en obstacle. La famille de Pearl Flute, secrète mélodie. Combien débute-t-on pour le fils de Zanzibari? 5, 5 000, 5 000 euros, 5, 5 000, 5 000 euros, 5 000 euros, 5 000 euros, Zanzibari, 5 000, 5 000, 5 000 euros, 5, 5 000, 5 000, 5 000 euros. 5 à 5 000, 3 000, 3 000, voulez-vous 3, 3 000, voici 3 000. Les acheteurs du lot précédent. À 3 000, à 3 000, à 3 000, votre enchère à 3. À 14 000 euros. À 3 000. Je les connais ces gens-là. Ce sont des Français. C'est Geneviève Neveu qui était au milieu. À 3 000 euros, à 3 000 euros, à 3 000 euros, la mère polyglotte gagnante à 3 000, 3 000, j'ai maintenant, c'est sûr, à 3 000, à 3 000 euros, à 3 000 euros, l'enchère à 3 000, qui a déjà fait quelques bonnes affaires. À 3 000, à 3 000 euros. Un autre Eric, c'est Eric Lermite. Ah oui, à Grand Grand-Camp. À 4 000 euros. Alors Grand-Camp, vous êtes 4 à 4 000. Grand-Camp, ça se situe à côté de Bayeux, à côté de Truyan. 4 000 euros, 4, 5, 5. Mais alors, tu vas me dire, mais pourquoi le rat de Grand-Camp? Alors que ça se situe à Train, leur grand camp. Oui, tout simplement parce que Eric Lermite, qui fut responsable au Mézeray et à Étréan, s'est installé après avoir été responsable à Étréan à son compte, juste à côté du Haras d'Étréan, à Grand Camp. Et donc il a appelé son Haras le Grand Camp. Et puis quand il a déménagé, cette fois-ci, quand il a pu acheter à Train, il a conservé le nom de son. À 8000, à 8000 euros, à 8, à 8000, à 8. À 8000 euros, à 8000, à 8000 euros, dernière chance à 8000, à 8000 euros, bien. Un grand poulain encore de Zanzibari. Zanzibari, il fait 1m61, c'est un Smart Strike, c'est un fils de Zanzibérine, donc c'est des petits poulains précoces. Déjà, même toute petite. Voilà, et la mère est parasitaine. Et là, il fait de la beaucoup de taille, c'est marrant. Hein. On la juge, 10000, c'est nous. Solène, merci. Le numéro 472, présenté par le rat du Mézeray, c'est une pouliche née le 11 mars par Rug of Gibraltar et Pegasus Harry. Fille de Rug of Gibraltar. Fille de Rug of Gibraltar. Charles Gourdin. Qu'on voit signer à nouveau le bulletin. Pegasus. Vainqueur à 10 000 euros pour le lot 471. L'homme du Sud-Ouest, Charles Gourdin, qui était présent à la grande réunion classique du ministère. La souche de Chien Dancer, pas de réponse. Green Tune également, combien? 5, 5 000, 5 000, la Rock, 5 000, 5 000 euros, 5 000, Rock of Gibraltar, 5 000, 5 000 euros, 5 000 euros, 5 000 euros, qui m'appelle à 5, j'ai à 5 000, bien sûr à 5, à 5 000, à 5 000, à 5 000, suivons 5, à 5 000, à 5 000, qui m'appelle à 5, à 5 000, 5 000, 6, 6 000, 6 000 euros, 6 à 6 000, à 5 000, Rock of Gibraltar et Pegasus Hurry, 6 000 euros, suivons 6 000, une femelle présentée par le rat du Mézeray, 6 000 euros, l'enchère à 6 000, qui prend le relais, 6 à 6 000, à 6, 8, 8 000, à 8 000, vous êtes 8 à 8 000, et on en profite pour s'intéresser à Equilume. Tu sais ce que c'est, Equilume, Loïc? La fille de Rock of Gibraltar. Bien sûr. Bah vas-y alors.
c'est un masque qu'on, c'était 9, qu'on, 10, qu'on met pour les poulinières. 9 ici, 9 ici. Qu'on met pour les poulinières pour qu'ils deviennent plus rapidement en chaleur. À 9000, 10, à 10000. Tu peux me donner plus de détails ? À 10000, j'ai pas la. Permet d'avancer la saison de reproduction des poulinières. Contre nous 10, éviter les gestations prolongées. Maintenant à 12. À 12000 euros, 12 à 12000. À 12000, c'est par vous, à 12 à 12000. Solène, Equidamor, partenaire de Francir, à 12 000 euros d'octobre, mais également tout au long de l'année. Merci Loïc. Equidamor, dont on entend beaucoup plus souvent parler à propos de la calformine, mais qui est distributeur également du produit Equilume. Jean-Michel Lefebvre ici, entraîneur à Jarzé dans l'Ouest. À 18 000, à 18 000, Solène Lancher à 18 000, Rock of Gibraltar à 18, 20, 20 000, 20 000, vous êtes maintenant à 20, à 20 000, à 20 000 euros, à 20 000 euros. Des pas mystérieux qui montent. Premier produit vainqueur de 22 000. Alix Chopin de Janvry. De Green Tune à 22, suivi de Marilyn Charlton, deux anciennes compères au FRBC qui ont vogué de leur propre destin depuis. 24 000 euros, suivons 6, 26 000, 26 000 maintenant, j'ai à 26. La première aujourd'hui travaille à Génération Gallo, le think tank. À 28 000, à 28 000. La deuxième, Marilyn, travaillait pendant longtemps pour l'Agacan, et puis là, elle a pris une année sabbatique. À 28 000, Solène Lanchard. Sabbatique, pas sympathique. Elle peut être sympathique aussi, mais. Solène, à 28, 30, 30 000, 30 000. Pendant que nous égarons, on remarque que cette Europe, comme Gibraltar, atteint la jeune somme de 30 000 euros. À 30 000 euros, merci. Merci Mathieu d'Aguizon-Garros. Solène. À 30 000 euros, la famille. Solène Gouena. À 30 000 euros, une mère gagnante à 30 000. Marie, à 30 000, merci, à 30 000. Mathieu Gouénard, qui dirige maintenant donc le Hara d'Ombreville, qui vend bien d'ailleurs depuis deux ans ici. Merci Solène. Le numéro 473, présenté par le Hara des Marais, Antemio, c'est un mâle bai foncé, né le 1er février par Reed Van Winkle et Peinture d'Or. Reed Van Winkle ici, la mère parpeinte célèbre, la mère est gagnante, a déjà produit des bons vainqueurs. Un bon poulain ici, avec un travers qui marche bien. Qui est fils de Galéo, bien sûr, Reed Van Winkle, ses premiers produits en deux ans, déjà père de gagnant de groupe 1, et on débute à combien ici pour cette famille de marchands de sable, allons-y, 10 000 euros, voulez-vous 10 000 euros, Reed Van Winkle, 10 000, mettez 10 000, 5 000, alors 5 000, on y reviendra à 5 000, 5 000 euros, c'est pris l'enchère à Solène, à 5 000 euros, une seule enchère pour nous démarrer à 5 000, à 5 000 euros, allons-y, 7 000, oui, à 5 000 euros, qui met l'enchère, qui prend le 7 000, 7 000 euros, l'enchère à 7 000, 7 000 euros maintenant à 7 000, 7 000 euros, à 10 000, l'enchère à 10 000. Allez, c'est Pierrick Moreau qui a repris le micro de l'auctionneur pour terminer cette journée. Où il va faire les 10 derniers numéros sans doute. À 20 000, l'enchère à 20 000, 20 000, à 22 000, mon enchère à 25 000, 25, c'est assis aux lunettes. 22 000, 25 000. Le Hara des Marais. Isabelle et Nicolas Simon. Qui nous propose Antemio, un fils de Rip Van Winkle, né le 1er février. Il est tôt. Oui, 30 000 euros maintenant, Guillaume Lanchère, à 30 000. 32 000. À 32 000 euros, Solène Lanchère. À 32 000 euros, Solène Lanchère, à 32 000. À 32 000 euros, Solène, votre enchère, à 32 000. À 32 000 euros, un bon poulain, c'est sérieux, à 32 000. À 32 000 euros, Solène, votre enchère. À 32 000 euros, 32 000. Peinture d'or, la mère, une fille de peintre célèbre et dépenseur d'or, de la famille de marchands de sable. C'est Solène maintenant. À 40 000 euros, Solène Langère. À 40 000 euros, Solène Langère. À 40 000 euros. À 40 000 euros, Solène. Voilà le pédigré. À 40 000 euros, ils sont encore à 40 000. Le pédigré, vous pouvez le lire plus facilement en appuyant sur le bouton afficher les infos du lot en cours. Dans votre espace multimédia, et vous aurez non seulement le pédigré, mais aussi des photos, des vidéos, des pères et des apparentés. À 40 000 euros, oui, 42 000 euros. À 42 000 euros, Fonti Toutana Now. À 42 000 euros, Guillaume Langère, à 43. 43, bid 44. À 43, voulez-vous one more, voulez-vous one more, voulez-vous one more, voulez-vous one more. Come on. À 43 000 euros, l'enchère est là. 5 curseurs. À 43 000 euros, Solène, votre enchère, et on va la juger. 43,000 now. 43 000 euros, Solène. Bien vu, fini. À 43 000, pas de regret, Guillaume. À 43 000, on la juge. Solène, 43 000. Numéro 474, présenté par le Hara des Truands, Park Ranger, c'est un mâle bai né le 15 mars. 43 000 euros quand même, hein, pour le Rip Van Winkle. Je pense que Isabelle et Nicolas Simon vont être ravis. Premier produit de la mère, donc la mère qui est gagnante, sœur de champion de l'excellent planteur.
mère sœur du champion planteur, grande souche ici, Wildenstein, peintre célèbre ou peintre bleu, fils de Duke of Marmalade, allons-y, voulez-vous 5 000 Alors maintenant, c'est Duke of Marmalade. Le talon qui a fortement déçu, qui est resté maintenant en Afrique du Sud. Pourtant, on dit The Duke, c'est un super cheval, un gagnant des Diamond International, des King George, des Prince of Wales, des Duganay et d'Atlanta Gold Cup. Qu'un tu peux gagner le groupe 1. Et voilà, c'est un étalon qui fait. Voilà, qui n'a pas réussi. Néanmoins, nous avons ici des enchères qui montent car, malgré son père qui n'est plus vendeur, ce poulain a un grand avantage et issu d'une excellente famille Wildenstein, où on a Policymaker, où on a bien sûr peintre célèbre, le meilleur d'entre tous, et planteur, qui est le frère de la mère, Pepperberry. Planteur, jeune étalon qui a fait un démarrage à 115 ou 120 juments au haras du Bouctot comme étalon en 2014, beaucoup sailli. Ce qui est marrant, c'est que la mère Pepperberry était une fille de peintre célèbre. Et peintre célèbre, c'est aussi un membre de la famille maternelle. Donc la mère est issue d'un inbreeding assez percutant sur peintre célèbre. C'est son cousin et son père. À 22 000 euros, merci de votre aide. Fils de Duke of Marmalade, merci en tous les cas. À 22 000 euros, l'enchère par vous, Marie. Pas d'erreur, c'est Marie. On est juge. 22 000, Marie. Le numéro 475, présenté par l'élevage de la campagne Gravée Modulation, c'est une pouliche bai foncé née le 27 février par Soldier of Fortune et Pie Eye. Soldier of Fortune, mère gagnante, c'est la demi-sœur de bon vainqueur, trois vainqueurs, Cross Star, Danny's Choice. Le clan des acheteurs. Pour la petite fille de Galilo, allons-y, 3 000 euros, mettez 3 000 chats, 3 000 lois des tranches, 3 000. Alors, c'est quelqu'un qui est à côté de. C'est Gérard Larieux. Je ne trompe pas, il est dans l'ombre, mais c'est bel et ouais, je crois que c'est ça. C'est Gérard Larieux. À 4 000 euros, c'est Guillaume Langer à 4 000. À côté d'Éric Lermite qui signe le bulletin pour le 474. Park Ranger. À 5 000 euros, c'est Solène Langer. À 5 000 euros, Solène Langer, votre enchère à 5 000. À 5 000 euros, Solène, c'est votre enchère à 6 000. Donc là, on va avoir deux produits, le 475 et 476 de Soldier of Fortune et Lacousse. Luc, je suis ton père. Ah, 8 000 euros, j'ai à 10 000, à 9 000, à 9 000, à 9 000, à 9 000 euros, petite fille de Soldier of Fortune, à 9 000, à 9 000. Et après, un produit de Le Havre. Et évidemment, il sera le temps d'aller chez Hervé ensuite. 10 000 euros, 12 000. 12 000 euros maintenant, Guillaume à 12 000. À 12 000 euros, l'enchère à 12 000. À 12 000 euros, l'enchère à Guillaume à 12 000. À 12 000, l'enchère est à 12 000. Guillaume, l'enchère à 12 000. À 12 000, à 12 000 euros. À 12 000 euros, Guillaume, votre enchère à 12 000. À 12 000 euros, à 12 000 euros, Guillaume, l'enchère est à 12 000. À 12 000 euros, à 12 000 euros, bien vu, Guillaume, votre enchère, et on va la juger à 12 000. À 12 000 euros, bien vu, fini. On la juge. 12 000, Guillaume, votre enchère. Ok, la campagne gravée qui a vendu à 12 000 euros. Maintenant, on va passer à Akous, de Cerisy, qui, comme son nom l'indique, est un fils de Nakous. Nakous et PolyQuest. Né le 19 avril. French Kingdom compte une victoire supplémentaire en Grande-Bretagne depuis l'apparition du catalogue. Et on débute à combien ici donc, qui pour est ce cette dame Nakous, mère polyglotte, qui signe le bulletin Poulain pour ici, le lot précédent. Kadikov, la mère gagnante, produit bon vainqueur. Allons-y, 3 000, l'enchère minimum. Ça doit être racheté. Nakous, 3 000. À 3 000 euros, c'est racheté, je crois. L'enchère est là à 3 000. À 3 000 euros, l'enchère est là à 3 000. À 3 000 euros, allons-y, 4 000, Solène, l'enchère à 4 000. À 4 000 euros, l'enchère. À 4 000 euros, Solène, votre enchère à 5 000. 5 000 euros maintenant. À 5 000 euros, Marie, l'enchère. À 5 000 euros, l'enchère est à Marie à 5 000. 6 000. À 6 000 euros maintenant, 6 000 et 6 000 et 6 000 et 6 000, 6 000, l'enchère à 6 000, l'enchère à 6 000. À 6 000 euros maintenant, Marie. À 6 000 euros, Solène, l'enchère. À 6 000 euros, Solène, votre enchère. À 6 000 euros, l'enchère à Solène, 6 000. 7 000. Oui, 7 000 euros assis à la cassiette. À 7 000 euros. À 7 000 euros l'enchère. À 7 000 euros, Guillaume. À 7 000 euros toujours. À 7 000 euros l'enchère est assis. À 7 000 euros, bien sûr, monsieur. À 7 000 euros, votre enchère. Une seule enchère à 7 000 euros, c'est sûr. 8 000. 9 000.
9000 euros Marie, 9000 euros Marie l'enchère à 9000, à 9000 euros Marie et Solène Gondrevoix 9000, à 9000 euros, à 9000 euros l'enchère à 9000, à 9000 euros, à 9000 euros le fils de Nakous, bien vu à 9000 euros et on va la juger, à 9000 euros, bien vu, pas de regret, oui, non, à 9000 euros, Marie l'enchère à 9000 euros, bien vu, fini, on la juge. Chris Richner, Bloodstock, merci monsieur, 9000 euros. Ah, notre ami suisse, l'ex-banquier Chris Richner. Présenté par l'élevage de Tourgéville. Voilà, qui a acheté le Nakous pour 9000 euros. Et Poli Sheba a noté que son propre fer Plumto compte une victoire supplémentaire à Clairefontaine depuis l'apparition du catalogue. Son propre frère. À 100 mètres du but, Fusier attaqué par Le Havre à la com. Le Havre qui prend le meilleur, qui va s'imposer. Le Havre qui s'impose avec le partenaire devant Fusier. C'est un fils de Le Havre, le champion de Le Havre, le père d'avenir certain, le père de la Haugen, d'Auvray, d'Orbeck, donc la mère de Lightham. Un bon poulet ici, vraiment très élégant, qui se déplace bien, sérieux poulain. Lovely Quark, Lovely Quark, Lovely Walker, Racy Hansen, et oui, pour les deux, vous avez voulu pour 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000. Le Havre. À 3 numéros de la fin, on nous sort un Le Havre. Ah, attention les yeux là. Voici Antoine Le Pedry avec son fils. Ce sont les vendeurs. L'élevage de Tourgéville du lot 477. Pointel, fils de Le Havre et Polichéba pour Polyglotte. Polichéba, troisième de l'Istode. Famille Umbridled, le crack américain, gagnant de la Breeders' Cup Classic et du Kentucky Derby. À 45 000 euros, The Lovely Cold. À 45 000 euros, Such a Lovely Cold. Là, ça va chauffer. À 52 000. À 50 000 euros, l'enchère. Sous les, dans les t-shirts, sous les maillots. À 50 000 euros, l'enchère. À 55 000. À 52 000. À 52 000. La salle s'est remplie soudainement. À 50 000 euros, Solène. À 50 000 euros, Richard Venn. Mathieu, Mathieu, Alex. Jean-Claude Rouget. À 60 000 euros, Jenkins. Alessandro Botti. À 60 000 euros, magnifique boulin. À 65 000. À 62 000. Ça part dans tous les sens. Bien sûr. À 62, 65. À 65, t'as donné 65 000 euros, l'enchère. À 65 000. À 65 000 euros, ici encore 65 000 euros. À 65 000 euros. Brandon Bashford, Jean-François Bernard, tout le monde est là. 65 000. À 65 000 euros, l'enchère est à droite. À 65 000, 70 000 maintenant. À 70 000 euros, c'est Solène. À 70 000 euros, Solène, bien sûr, 75 000. À 75 000 euros, l'enchère. Allez, on y va. Effectivement. Sur les 80. 80, c'est parti. Je ne vous entends plus. À 80 000 euros, c'est 5. À 85 000. À 85 000 euros, contre vous, mettez 90, mid 90. Yes! 85 000 euros, l'enchère est à droite, à 85 000 euros. À 85 000 euros, Solène, je ne vous entends plus, l'enchère est là. À 85 000 euros au téléphone, à 85 000 euros. 90 000 now, à 90 000 now, we are selling for 90 000 now. À 90 000 plus, le frère, la propre frère Plumto, il est bon, là, le 2 ans par Le Havre. We are selling for 95. 100 000 euros maintenant, l'enchère est à 100 000, à 100 000 euros l'enchère. À 100 000 euros l'enchère, 105 000, 105 000 euros, 105. À 105 now, at 105 now, we are selling for 105,000 now. À 105 000 euros l'enchère, à 105 000 euros bien sûr. C'est un combat entre Jean-Claude Roger et puis quelqu'un qui est juste devant moi. À 105 000 euros, le champion Le Havre. À 105 000 euros l'enchère est à droite par vous, Grégoire. À 105 000 euros, pas d'erreur, Solène. À 110 000, 110 000. 110,000 now, 110 000 euros, oui monsieur. Le voilà, monsieur à la casquette. Ah, on l'a vu en direct, il vient de remettre 5 000. Le monsieur à la casquette, je connais pas son identité, je connais son voisin, Brandon Bashford, un Irlandais. Oui, 120 000, et 120, et 120 000, et 120 000, allons-y, Francis. À 120 000 euros l'enchère, à 120 000. Allons-y, Francis. Yes, sir. Il a dit, allez-y, Francis. Et il y a des gens qui pensent que c'est moi qui mets les enchères là. Ah, bah bravo, merci, Perrick. Il est coquin, il est taquin. Déjà d'un vainqueur à 125 000 euros, 4-5. À 130 000, 130. Ouh là 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 là, attention, le top price était à 150 000 pour l'instant. Est-ce qu'on peut passer? Oui! 135 000, nous ne sommes plus qu'à 15 000 euros du top price, mesdames et messieurs. Il se passe un moment important, il est quasiment 20 heures, l'heure de l'apéro. Nous en sommes à 135 000 euros pour le Kino 477. Le Havre, l'étalon champion. Merci de votre aide. Le Havre, et c'était Jean-Claude Rouget. On va la juger à 135 000 euros. Avec Sylvain Vidal qui. On la juge. Anthony Stroud, thank you very much. Poussait. 135 000, Grégoire. Et c'est Anthony Stroud, voilà, Anthony Stroud qui est juste là, qui est juste là. On va vous montrer Anthony Stroud qui vient de faire l'acquisition. Il est là, Anthony Stroud, fils bien sûr, hein. C'est pas Anthony Stroud père. Anthony Stroud père, vous le connaissez. À côté de lui, c'est Brandon Bashford, donc le courtier, un courtier irlandais.
Et donc Anthony Stroud, le jeune courtier anglais qui vient de faire l'acquisition à 135 000 euros, le deuxième plus gros lot de la vente. Nous avions eu avant un Chamardal à 150 000 euros. Et nous avons le Pedri père et fils qui sont en train de s'approcher de lui pour le féliciter. Bravo pour cet achat à 135 000 euros. Il a réussi à battre, à vaincre Jean-Claude Rouget et Sylvain Vidal qui poussaient pour le fils de Le Havre, Pointel. À 15 000 euros, Grégoire toujours longé à droite à 15 000. À 15 000 euros, ici encore à 15 000 euros, mais longé à 15 000. À 15 000 euros, c'est Grégoire longé. Le ticket, 17. 17 000 à 17 000 euros, à 17 000 euros, l'enchère à 20 000, à 20 000, il faut prendre les 20 000, à 20 000 euros, l'enchère à 20 000, toujours l'enchère, à 20 000 euros, ils sont encore à 20 000, à 20 000 euros, l'enchère, il est à 20 000, à 20 000 euros, l'enchère, 20 000, à 20 000 euros, Audrey, l'enchère, 22. 22 000 euros l'enchère, 22 000 euros l'enchère, 22 000 l'enchère, 22 000 l'enchère, t'as le droit à 22 000, 22 000 euros l'enchère, à 22 000 euros, ils sont encore à 22 000 euros, bien vu, à 22 000 euros, oui, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 25 000, 24 000, à 24 000, à 24 000 euros, quinze d'argent, à 24 000. Pas facile de passer derrière, pas facile de passer derrière un prix comme ça, évidemment, à 24 000 euros, vraiment. Mais on tient la marée avec une quinze d'argent et Ponce di Legno, une Silda, qui elle-même est une fille de Porlezza, gagnant du prix Maurice de Guest, formidable sprinter. Qui tient l'enchère à 24 000 euros, vous la laissez partir. Qui a été croisé à Sindar, donc il lui apporte un peu plus de tenue, et recroisé à Ken d'Argent, qui apporte plus à son poids lui du talent, un peu dans tous les genres, notamment sur la vitesse, bien sûr. 25 000. 25 000 euros l'enchère à 25 000. 25 000 le Haras des Longs, Thierry de la Hironière, qui nous présente 25 000 euros. Jérôme, cette pouliche. À 25 000 euros, vous la perdez, à 25 000 euros, c'est sûr. À 25 000 euros, j'ai l'enchère à gauche. Et là, qui a un magnifique blouson d'Inavena. Au téléphone. 26 000, 26 000 euros l'enchère, à 26 000, à 26 000 euros, à 26 000 euros, c'est sûr, et non, non, cette fois-ci, elle est partie, elle arrête, à 26 000 euros, bien vu, fini, enchère à droite, bien vu, on est juge, messieurs Montfort, merci monsieur, 26 000 euros, votre enchère, Jérôme. Messieurs Montfort, 19, présenté par le Haras de Messieurs Grand Montfort, c'est-à-dire par Weeper et Pony Club. À noter que ce cheval est vendu Patrick sans TVA Montfort et son fils Édouard Montfort qui sont associés dans une société, dans leur société d'entraînement et qui viennent de faire l'acquisition à 26 000 euros du lot précédent, c'est-à-dire du catalogue. Le 478, la quenne d'argent. C'est la mère d'Archan, Weeper d'Archan, on débute à combien? On va peut-être bien aller voir, messieurs Montfort. 3000 euros. Montfort et Montfort, donc. De 3 vainqueurs, c'est le demi-frère de 3 vainqueurs. 3000. Oui, 3000 euros maintenant. L'enchère est prise à Solène à 3000. À 3000 euros, Solène, votre enchère. Les voilà, les voilà, les voilà. L'enchère à Solène à 3000. À 3000 euros, l'enchère est à Solène à 3000. Le père, bien sûr, qui est en train de signer avec la casquette. Et puis le jeune, Edouard. 3000 euros, l'enchère à 4000. À 4000. Donc tous les deux sont associés, sont installés à Solène. À 4000 euros, l'enchère à 4000. Alors, le 479. À 4000 euros. À 4000. Fils de Weeper et Pony Girl, présenté par Laura de Grand Camp. La mère Pony Girl est par Tarshan et c'est la famille d'Indonésienne, la fille de Mutatir qui a gagné le prix Marcel Boussac, Christophe Despolich, groupe 1, touche de Matiara et Marathon. Pony Girl, la mère Black Type, hein, puisqu'elle a été 3e du Grand Prix du Nord au Cross de la Roche en fin d'année, dans le Nord. 6 000 euros l'enchère, à 6 000 euros, bien vu l'enchère, à 6 000 euros, c'est encore à 6 000, à 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, à 9 000, 9 000. 7000 donné 6 produits en âge de courir, 3 vainqueurs. 7000 euros l'enchère à Solène, à 7000 euros toujours l'enchère, à 7000, à 7000, 8000, 8000 euros l'enchère. Présigné du père, ce fils de Weeper. 8000 euros l'enchère, à 8000 euros le fils de Weeper. 8000 euros, 8000 euros nous sommes, et la mère part d'Archan à 8000, 9000, 9000 euros, 9000 euros, 10000, 10000 euros Jérôme à 10000, à 10000 euros Jérôme à 10000, à 10000 euros Jérôme l'enchère est là à 10000, à 10000 euros à 11000, 11000 l'enchère à 11000, à 11000 euros l'enchère à 11000, à 11000 euros. Voilà, Rick Lermite qui est le vendeur, le rat de Grand Camp, fils de Weeper. À 11000 euros l'enchère est à gauche, Solène à 11000, à 11000 euros Jérôme c'est fini, à 11000 euros je vais devoir la juger à 11000, à 11000, à 11000 euros, merci Jérôme, enchère par Solène, bien vu, fini. 12 000, le fils de Weeper à 12 000, à 12 000 euros, la mère et la famille de Indonésienne, à 12 000 euros, à 12 000 euros, Solène, faites-moi oui, faites-moi non, dites-moi quelque chose, à 12 000 euros, enchère à droite, non, c'est fini, à 12 000 euros, bien vu, 13 000, ah. On met 14, messieurs?
13 000 euros, c'est plus vous. 13 000 euros, voulez-vous 14 ? 13 000 euros, 14 ? Oui. 14 000 oui. Les Montfort, Patrick et Edouard Montfort. 14 000 euros, Jérôme Lanchère. 15. 15 000 euros, Lanchère à 15 000. À 15 000 euros, Lanchère à 15 000. À 15 000. À 15 000 euros, on arrête. À 15 000 euros, c'est encore à 15 000 euros, c'est sûr. Alors, ils réfléchissent. Patrick Montfort, est-ce qu'il va remettre une enchère ? On a juge. Non. Votre enchère, 15 000. Voilà, ils ont été battus cette fois-ci. Ils ont gagné l'enchère précédente, mais cette fois-ci, ils ont été battus. Présenté par Jack Buxton, c'est une pouliche BNL 5, mais par Fuissé et Pragmatica. Fuissé, Pragmatica, la mère de Gaumont. Ah tiens, la deuxième génération de Fuissé. Voici l'acheteur du lot précédent. Bézisson, qui est 3, battu les Montfort. Cagnon à 2 ans, Swelsering. Et donc, sa demi-sœur ici par Fuissé. On débute à combien la famille de Dream Come True? French Glory, 3 000, l'enchère minimum, 3 000 euros, voulez-vous 3 000 euros. Grand cheval, Fuissé, un fils de Green Toon, la mère ici Pragmatica est par Inchinor, et la mère Pragmatica donc a déjà donné Gore, alors Gore pas comme un film, Gore, hein, pas comme un film d'épouvante Gore, mais Gore, G-H-O-R, fils de Goldaway, gagnant de 8 courses, placé de listed à l'occasion du prix Hampton à Maison Lafitte, donc il a terminé 3e. Il y a aussi une pouliche de Zambendison qui a gagné Sweltering. C'est la descendance de Dunette qui avait gagné le prix de Diane de l'entraînement d'Emmanuel Chevalier du Faux. 9 000 euros, Jérôme, bien vu. À 9 000 euros, on va l'adjuger. À 9 000 euros, Jérôme, à 9 000 euros, ici encore 9 000 euros. Tout est juste pour vérifier si ça marche bien. Vu, c'est fini. À 9 000 euros, on va l'adjuger. À 9 000 euros, bien vu, on peut l'adjuger, maître. À 9 000 euros, on adjuge. 9 000 euros, bien. Jérôme, merci maître, 9 000 euros. Le numéro 481, présenté par le Haras de l'hôtellerie. Merci maître, on a demandé son avis au maître, il faut toujours demander l'autorisation au maître pour savoir si on peut la juger, et on a jugé d'un coup de marteau. Répété mais toujours aussi efficace. Maître, il aura donné 600 coups de marteau en 4 jours. Famille de fils de Vianne, de Alex Rode, de Vianne Rose, Slickly. Et on débute à combien ici pour ce bon Slickly? Valeur sûre Slickly. Délice des biefs, un fils de Slickly, valeur sûre, effectivement, gris comme Slickly, et puis gris comme le poulain. La mère, c'est une sœur princesse bleue, c'est une sœur Paranama Blue, de fils de Vianne, Alix Rode, président fiable, le neveu, l'oncle aussi de Vianne Rose et tout. La belle souche de François Bayrou. 14 000 euros, à 14 000 euros maintenant, Grégoire, 14 000, à 15 000, à 15 000 euros, Guillaume, à 15 000, à 15 000 euros, Médé, 17 000, 17 000 euros, Langer, 17 000, à 17 000 euros, à 17 000, 20 000, à 22 000, Guillaume, à 22 000, à 22 000, à 22 000, Guillaume, à 22 000, à 22 000, à 22 000 euros, Guillaume, Langer, à 22 000, à 24 000 euros, Langer, à droite, à 24 000 euros, encore à 24 000, à 24 000 euros, Langer, à 24 000, à 26 000, à 26 000 euros, Langer, à 26 000, c'est un joli poulain, ce Slickly. À 26 000 euros, c'est Grégoire. Parce que Slickly, on dit souvent, il fait des choix assez légers comme ça, c'est des bons choix de course, mais des choix un peu légers comme ça dans leurs aplombs, un peu sec, taille à coup de serpe. Mais là, c'est bien, là, c'est un joli poulain. Puis il est bien né. Hein. La mère par Anna Bablou fait l'aventure du grand chênet. Pas vous et pas vous, Grégoire. 26,000 now it's my bid. At 26,000 now we are selling for 26. At 26,000 now we are selling for 26,000. Mon enchère. Plus rien dans la salle. At 26,000 now, we are selling my bid. It's not in the ring. At 26,000 now, à 26 000 euros. Bienvenue, fini. 27. Ah. 28, 28. 28,000 now. 28,000 my bid again. At 28,000 now, à 28 000. À 28 000 euros, c'est mon enchère. À 28 000 euros, bienvenue. On va la juger à 28 000. À 28 000 euros, c'est sur 28 000. It's your bid, sir. À 28 000 euros. À 28 000 euros, it's your bid. À 28 000 euros, bienvenue. Fini. À 28 000 euros. On a juge. Con Marnane, 5 euros. Con Marnane, eh oui, 28 000 euros. Il achète toujours, Con. Numéro 482. Bouncer House Stable. Allez, on s'approche de la fin. Et bien sûr, il est l'heure de penser à aller chez Hervé. Hervé, votre partenaire santé. Hervé, notre sponsor fidèle des ventes. Samoum ici. L'excellent Samoum, donc. De mère par Goldaway, demi-sœur de Pretty Panther.
Lovely, lovely, lovely. Philly here. On voit les vendeurs. Bon modèle ici. Jean-Pierre et Guillaume Garçon. Famille de On est bien. Et de Princesse Jasmine. La Mona Lisa. Allons-y, il y a combien de buts pour la petite fille de... 10 000, 5 000, à 5 000. Oui, alors les micros sont pas assez. Attends. Vas-y, cause dans le bignot. 7 000 euros. On va Sylvain Vidal à côté. 7 000 euros, l'enchère à 7 000. 7 000 euros. À 7 000 euros qui met 10 000. 10 000. 10 000 avec. Avec voilà. Ah, 10 000 euros, la petite fille de Monsoon à 10 000. Ah, avec Franck Champion. Fille de Monsoon. Petite fille de Monsoon, puisque le père c'est Zamoum, ya Zamoum, le père de Bailami, le père de Shiller Danone, le père de. Pas mal de bons chevaux, Kamzin, bien sûr. Et ici nous avons la nièce d'On est bien. On est bien, qui est un étalon peu connu qui fait la montoire du Corbenard. Qui était un bon cheval chez Élie Lelouch, qui lui appartient d'ailleurs. Et je suis sûr qu'il va sortir, on est bien, parce que Élie Lelouch le soutient, il a quelques produits à l'entraînement qui sont vachement intéressants. Mon enchère 17. 17 à droite. Eh oui. 17 à Arnaud, je viens de parler avec Pierrick Roussel. C'est bien. Qu'est-ce qu'il dit, Pierrick Roussel? Oui. Qu'est-ce qu'il dit, Pierrick? C'est lui qui a acheté le, pour 15 000 euros le produit de Loup Breton tout à l'heure. Ah, il a bien fait. Il a préparé le papier de Loup Breton. Il va arriver au Arac Favry pour 2015. Dans la Saône-et-Loire. En Saône-et-Loire. Chez Philippe Ladroux. Et Pierrick Roussel m'a dit que du bien sur les produits de Loup Breton. Vous pouvez lire ça tout à l'heure. Ce sera en ligne. Il y a le rat de Corlay qui voulait avoir Loup Breton. Ça aurait été sympa en Bretagne d'avoir Loup Breton en Bretagne. Mais le rat du Favri était sur les vents au préalable. En attendant, la nièce de On est bien. Bon étalon, on est bien. Enfin, bon étalon, j'en sais rien encore, mais c'était un super cheval débuté au mois de juin, en gagnant de ses 2 ans. À Chantilly, si on met la phrase dans le bon sens, c'est il a débuté en gagnant au mois de mai de ses 2 ans à Chantilly. 25 000 euros, c'est sûr, on va la juger ici à droite. À 25 000 euros, 26, 27 now, à 27 000. À 27 et Alban Chevalier, il faut qu'il y ait au téléphone. À 27 000 euros, c'est contre vous, Jérôme, à 27 000. À 27 000 euros, nous allons la juger, Jérôme, merci de votre aide. À 27 000 euros, bien vu, Jérôme. Nouvel enchérisseur. Nouvel enchérisseur, bah dis donc. 28 000 euros maintenant, Guillaume, à 28 000. 28 000 euros, il était temps, à 28 000. À 28 000 euros, on se réveille à 28 000. À 28 000 euros, on se réveille à 28 000. On vient de passer les 20 heures et... Trenta. On a encore soif, hein. 28 000 euros, Fresh Bidder. Gracias. À 28 000 euros, bien vu. À 28 000 euros, Guillaume. À 28 000 euros, pas d'erreur. À 28 000 euros, 30 000, monsieur, il était temps. 30 000 euros. 30 000 euros, Guillaume, c'est plus beau à 30 000. Quelqu'un qui fait durer le plaisir. C'est plus beau, Guillaume, à 30 000. Il aime bien. À 30 000. À 30 000 euros, Guillaume. C'est tout, une enchère. En tout cas, elle ressemble beaucoup à Samoum. Ce sera pas François Rowe qui met des enchères, là. Oui, non. Juste en face de Guillaume. On la juge. Arras de la Covinière, merci, 30 000 euros. Jérôme, votre enchère. Une seule enchère, le Haras de la Covinière, bingo. Présenté par le Haras d'Ombreville. Sylvain Vidal. Le 28 janvier par Cap. Qui emporte le Samoum. Le champion Cape Cross, le père bien sûr de Caesar Stars. C'est un second produit d'une mère Black Type. Famille. Donc voilà Sylvain Vidal avec sa casquette Le Havre. 5 000 champions Cape Cross. Cape Cross maintenant pour le 483. Le Haras d'Ombreville, tiens, on en parlait tout à l'heure. Le Haras d'Ombreville en voyant Solène. Cape Cross 5 000 euros l'enchère à 5 000 euros. L'épouse de Mathieu Gouénard. Mathieu qui est là. 7 000 euros l'enchère à 7 000. Et Solène qui, bah, en même temps, est spoteuse. 7 000 euros l'enchère à 7 000. 7 000 euros. À 7 000 euros l'enchère à 7 000. 7 000 euros l'enchère à 7 000. 7 000 euros. 8 000. Et qui le matin est dans les bureaux d'Arcana. D'ailleurs, je suis passé devant la comptabilité. La comptabilité, on fait la queue à la compta actuellement. Ah oui. Et tous les acheteurs. À 15 000 euros l'enchère à 15 000. Ah oui. À 15 000 euros l'enchère à Solène à 15 000. À 15 000 euros Solène toujours au tronchère. La voilà Solène. À 15 000 euros, je suis encore à 15 000. Donc bien l'enchère à 18 000. À 16 000, très bien. À 16 000 euros Solène, 18 000. 18 000 euros l'enchère à Solène, à 18 000. À 10 000. Un Cape Cross, un neveu de Spécial Caldoun, étalon au haras de... du Brême, dans la Manche, chez Jean-Luc Couettil. Pas d'erreur. À 18 000 euros Solène, votre enchère. Cape Cross, 20 000. Maintenant, Guillaume, à 20 000, à 20 000, Guillaume l'enchère. À 22 000, 22 000 l'enchère, à 22 000, à 22 000. À 22 000 euros Solène, Guillaume, c'est plus vous. J'ai une à question. 22 000 euros l'enchère, à 22 000.
J'ai une question. Pourquoi il l'appelle Guillaume? À 25 000 euros. Tout le temps, il l'appelle tout le temps Guillaume. À 25 000 euros Solène. À 25 000 euros Cape Cross. Guillaume Cousin, c'est Guillaume Cousin, quoi. Un gars de la Mayenne. 25 000 euros. On a de juge. Solène, 25 000 euros, votre enchère. Donc de Bordeaux, le dernier lot avec le numéro 484, présenté this par la This is the end. Human. C'est une pouliche. My only friend, the end. A noter qu'elle est qualifiée pour le bonus plus 10. She's completely eligible for more 10. Mais pour bien le chanter, il faudrait avoir un petit peu d'avoine enchantée propre sœur, donc, entre les dents. Et là, il est trop tôt, on n'en a pas. Digo. Placé cette année, donc gagnant donc deux ans. Et qui a un eau. Propre sœur. C'est le père ici, du dernier lot de la vente, présenté par la Motrey Consignment, la mère Wixada, par Konigstig. Une souche. Ah, je vais laisser là, je vais laisser notre ami Loïc germanophone en parler parce que c'est une souche germaine. Issue d'Outre-Rhin. De Gestut Fairhof. Fairhof. 4000 euros. Celle de Kerari, un gagnant de groupe 1 en Italie. 5000 euros maintenant, Ludovic. Il portait lui-même la casaque de ses éleveurs, qui est chez Fairhof. Ça se prononce Fairhof en allemand. 8000 euros l'enchère à 8000 et à 8000. Un home light, un home light, pardon, sur le A. 8000 euros les 10000. 10000 l'enchère à Guillaume à 10000. À 10000 euros l'enchère. 8000 euros. C'est le dernier numéro, prenez votre temps, pas de problème. 8000, 9000. Non, 9 c'est à droite, t'avais 8. 9000 c'est Guillaume. Ludovic, 9000 c'est Guillaume à gauche. 9000 euros. À 9000 euros c'est Guillaume à gauche, à 9000. À 9000 euros, à 9000 euros. 10000, Guillaume, c'est plus vous. À 10000 euros l'enchère. À 10000 euros Ludovic, essayez encore à 10000. À 10000 euros l'enchère. Oh là là, ça y est, c'est parti là. Oh, papa, on s'est énervé. À 12000 euros c'est Grégoire l'enchère. À 12000 euros, essayez encore à 12000. À 12000 euros, mettez-vous l'enchère. À 12000 euros, l'enchère. Grégoire l'enchère à 12000. À 12000 euros, l'enchère à 14000. 14000 euros maintenant, Jérôme. À 14000, 13-14. 14000 euros, Jérôme. À 14000 euros, Jérôme l'enchère. À 14000 euros, essayez encore à 14000, bien sûr, c'est tout simple. À 14000 euros. À 14000 euros. C'est tout simple. À 14000 euros, Solène. À 14000 euros, vous l'avez eu un instant, Solène. 15, voilà, 15 000, à 15 000 euros l'enchère, à 15 000, à 15 000 euros l'enchère, 15 000 euros Solène, 15 000, à 15 000 euros allons-y, 16 000 Grégoire. 16 000 euros, le champion Equiano, à 16 000 euros. À 16 000 euros maintenant, l'enchère est à droite à Grégoire, à 16 000. 17 000, à 17 000 euros maintenant, Jérôme, à 17 000. À 17 000 euros, il y a une bonne tronche ce poulain, n'empêche. 17 000, hein? 17 000 euros, mettez-vous l'enchère. Il a une tête de cheval, le cours. À 17 000 euros Solène, c'est plus vous. Un alzan semblant. 18 Grégoire à 18 000, à 18 000 euros l'enchère à 18 000, à 18 000 euros, à 18 000 euros mettez 20 000, qui met 20 000? À 18 000 euros arrondissez à 20 000, à 18 000 euros l'enchère mettez 20 000, à 18 000 euros, à 18 000 euros Solène vous le perdez, 20 000, pardon? À 19 000 si vous voulez, à 19 000 euros, à 19 000 euros bien sûr, avec plaisir, à 19 000 euros mettez 20, arrondissez mettez 20 Grégoire, à 19 000 euros mettez 20 000, à 19 000 euros arrondissez mettez 20, voulez-vous 20, mettez 20, mettez 20. Attention, il y a Bernard qui commence à menacer du marteau. Hein. Quand maître Bernard, voilà, quand il a levé le marteau, il a dit attention les gars, maintenant faut en mettre, sinon c'est moi qui vous en mets une. À 20 000 euros l'enchère à 20 000, à 20 000 euros l'enchère à 20 000. Et voilà, il peut reposer son marteau, tranquille. À 20 000 euros Grégoire. Ah, c'est très efficace, hein, c'est incroyable. C'est psychologique. Sur le micro est levé. À 20 000 euros, bien vu. Oula, le marteau, pardon, est levé. À 20 000 euros. On a le juge. 20 000 euros, Grégoire Seboas, merci beaucoup. Alors, à Seboas, Paul Basquin qui a fini par avoir l'enchère. Et maintenant, j'ai une question à vous poser. Alors, la question qui va être très difficile à trouver. Eh bien, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue à Question pour du pognon. Eh oui, ce soir, chez qui, Loïc, allons-nous manger? Allons-nous dîner, souper, cher ami? Oui, c'est chez Hervé, votre partenaire santé. J'y vais. After World. À demain 14h. Ciao. À demain. Bonne soirée.